Et bonsoir, est-ce que c'est bon micro? Je sais pas, je suis allée voir ça. Si c'est bon, c'est bon micro, bonsoir. Bonsoir tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai sorti les couettes aujourd'hui, hein, voilà, j'espère que ça vous dérange pas, voilà. J'avais pas assez d'un seul chouchou à la fois à emmener dans mes cheveux, mais en fallait un deuxième, donc du coup c'est ça, c'est les couettes. J'ai les cheveux trop longs, ça me saoule, faut que je trouve une solution. Bon, 21h01, ça va. Oh, on est pas trop en retard. J'espère que vous allez bien. Ah, je suis excitée. C'est mardi, donc du coup mardi on joue à Don't Starve Together et on a décidé avec Ribouille de partir à l'action. On va aller taper du Stremont, du Banse quoi. Mais on va pas y aller tout seul parce que je pense que voilà, on part un peu trop accaparé par la technique de Lâche. Donc du coup on va se faire chaperonner par Spider, voilà. Spider, notre mentor, et je crois qu'il m'attend. Car je suis toujours la dernière arrivée. Et je m'en vais les rejoindre immédiatement après avoir ouvert mon mélangeur de volume afin de ne pas vous exploser les oreilles. Voilà, comme ça. Bonsoir. Bon. Comment elle va? Bah bien. Ok. Bah Et c'est cool. toi? Et toi, tu vas bien? Bah oui, très 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 bien, et toi? Ok, super. Comme tu peux le voir, Spider, en vrai, Tori et moi, on peut pas supporter. On fait juste Ouais, je vois semblant ça. quand on est le film. Exactement. Elle me sort par les yeux, c'est une horreur, mais bon, on fait ça pour les vues. On fait ça pour la renommée. Voilà. Ouais, parce que Une devine. association malheureuse qui, j'espère, se terminera vite. C'est faux. T'es caté, bro, t'avais pas à rajouter le c'est faux, je sais qu'au fond de toi tu m'aimes secrètement. Je veux dire bonjour au stream, rien. Yo Jésus. Tu vas bien? Yo le stream. Des gens. T'es en live, Spada? Alors je suis pas en live, Gribouille m'a presque convaincu de le faire, mais je suis pas tout à fait convaincu de la pertinence. Oh, ah tu veux pas t'afficher avec nous, je comprends. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Ok, donc vous pensez ça toutes les deux, très bien, bon bah je pense que je vais live. Moi c'était pas pour vous faire de l'ombre hein, que je voulais pas stream, mais bon après, Ah si ok, vous voulez je faire comme vois. ça... Hein, Donc comme ça t'as surtout que les deux catastrophes ambulantes à gérer, hein, et t'as pas besoin de gérer ton stream à côté. Bonsoir Chikili, comment vas-tu? Bah du coup, qu'est-ce que tu fais là, JM? On t'attendait pour des Rocket League ces derniers soirs. J'ai géré d'organiser peut-être vendredi ou samedi un Gartic Phone, je pense. C'était ouf. Tu me dis quelle date t'es dispo. Ah, je vois, tu devenais chinois. Excuse-moi, Spider. Je disais désolé, du coup je suis en train de lancer mon stream. De soucis. Oula, 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 oula. Bon alors, t'es-tu motivé pour tuer des boss? Ben écoute, oui, tout à fait. Depuis que Gribouille me l'a proposé il y a de cela 6, 3, 4 heures. Ah là, tu débosses. Ah, ok. On va faire ça. Faut bien s'amuser On un va peu faire dans ça. la vie. Yes, Gartic Fun. Tout à fait. Garlic Fun même. Alors du coup, qu'est-ce qui est prévu au programme de la super aventure de tuage de boss? Ah bah alors ça, c'est à vous de me dire. Moi, je pense que c'est plutôt cool de commencer par la Dragonfly. Voir, c'est un boss qui est vraiment facile à tuer à plusieurs. Ok. D'accord. Et Aussi. comment on le rencontre celui-là? Et ça, c'est la grosse mouche. Ouais. Ah, je suis peut-être pas tombée sur la grosse mouche, moi. Si, tu l'as vu Et celle-là? bonsoir! C'est celle qui terrifie tout le monde. Bonsoir! Celle qui terrifie tout Salut le monde. Ah, Bob. mais voilà, bien avancé, dis donc, avec cette description. Des boss qui terrifient comme ça tout le monde, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Très bien. Et c'est donc le plus facile, hein. La Normandie Est-ce aime que pas vous pouvez trop le parler, les deux streaming. nuls?
C'est toi la nulle? Oui. 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 Et toi, tu peux parler la nulle? Ouais, je peux parler moi. Ouais, ok, c'est pas mal, mais ne recommence pas. D'accord. C'est moi qui crée? Oui, alors attendez, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les persos du coup? Enfin, tu m'as dit toi de... que c'était entre Wolfgang et Wilfried. Ouais, alors c'est les deux que je recommandais. Qui seraient sûrement les mieux. Après, franchement, il n'y a pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins une Wilfried, comme ça on se fait. Ouais, moi. On s'embête pas trop avec les casques. C'est laquelle, Wilfried? Je connais pas trop les noms perso. C'est la qui mange que de la viande. C'est ça. Oh bah ok, vas-y, prends ça. Mais après, si tu veux prendre un autre perso, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, à moins que tu prennes un truc genre Walter ou Wormwood, franchement, ça changera pas grand chose tant qu'il y a une Wilfried. Oui. Si tu veux retenter l'expérience Wolfgang, qui apparemment t'a totalement convaincu. Wolfgang, c'est celui qui ment tout le temps, c'est ça? Ouais. On va dire ça comme ça. Je pense que j'ai surtout pas du tout exploité comme il fallait. J'étais un peu sous pression. J'imagine, ouais. Ouais, mais là, c'est cool, on n'a pas de plugin d'activé. Ouais, c'est vrai, les gens vont pas nous emmerder. Et là, je perds tous les viewers. Ah quoi, on peut pas les tuer? Oh non. Salut Zakaï, tu vas bien? Un truc où j'ai que le son et où tu cliques à la main pour... Ah ouais. Il n'y a pas plus bas que 160p, mais c'est normal, non? Manger ma grenade, on peut y aller. Ça va, ça va. Attendez. Ouais, non, rien que parce que ça va faire trop de chat à suivre, je pense que je vais pas. C'est décidé. J'arrive. T'inquiète pas, Le détail des persos, on pourra en parler quand on sera dans le lobby, quand quelqu'un aura créé. Donc je pense que Luc, si tu veux créer tes... Non mais attends, là, il faut que Tarila elle soit prête et tout, sinon ça va paniquer dès le départ. Ce serait dommage de paniquer. Ouais. Comment ça, mon micro marche pas? Mais elle est prête, hein. Je suis sur le jeu. Attendez, j'ouvre juste mes trucs. Voilà, et je clique sur rejoindre quand il faut. C'est bon. Okay. Et je prends quoi du coup? On s'est pas dessiné, je prends quoi? Tu t'avais dit qu'elle allait paniquer. Ça répond pas à ma question, attention. Et je panique pas, attention. Pense à ta voix. Je panique pas, hein. Si, j'ai le bon micro, Zakaï. On est mort de rire. C'est le même que d'habitude. Je suis sur multi-twitch. Mais ailleurs, attention, vous êtes en train de regarder depuis le site. Je pense que c'est celui-là que t'as entendu. En fait, celui-là, il a pas de filtre. Pardon, désolé. Toi non plus, t'as pas de filtre. Hein. Non, mais c'est le putain de push-to-to qui marche quand il veut, ça me saoule. J'arrive. Oui, donc du coup, c'est juste qu'il y a un micro... Je suis dans le chargement. En fait, il y en a un où je mets un filtre. Parce que ça camoufle les bruits chiants. Par contre, si je gueule, ils compressent trop. Et du coup, enfin, ils compressent pas. Alors en fait. Moi, du coup, ça coupe. Et comme je gueule souvent sur ce genre de jeu, je vais mettre l'autre micro. Alors que je trouve caca. Mais c'est pas grave. Quel? Ok. Allô, oui, c'est bon, vous m'entendez. Et je prends quoi du coup? Je prends quoi? Allez, panique. Une quoi? Qu'est-ce que tu veux prendre? Je sais pas, on va dire entre Wolfgang et je m'en rappelle plus. Wilfried. Bah je prends Wolfgang alors. Ok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ok. C'est un bon choix. Ah, mais du coup vous êtes déjà in game. Bon allez, go. Ouais. Bah oui du coup. Regarde mon super chapeau. Ça va les volumes? Je ne dis rien. De l'écho? Tu prends lui, toi. Ah, de l'écho, c'est moi, ça, l'écho. Ah non, mais je pense pas, parce que moi, j'ai pas entendu l'écho. Non, je dois avoir fait une couille sur mon stream. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Non, mais j'ai un micro qui est un peu relou pour ça. Bah ouais, mais je l'aurais entendu s'il y avait eu un écho, non? Et puis moi, j'ai changé un truc de mon côté et apparemment, ça va mieux, donc... je sais pas, mais c'est bizarre. Bon, peu importe. On s'en fiche. J'ai aussi réglé ça, mais... Je peux garder dans la... Je sais pas faire, moi. Clash wave dans le chat.
Mais y'a pas un truc où t'as la roue avec tous les machins? C'est un mode ça. Ah ok. Si tu l'as pas, bah il faut le mettre. Ah oui, alors moi j'ai pas de mode hein, donc si vous voyez des trucs du genre oh là là, ouais, il va faire froid bientôt, ou alors j'en sais rien, enfin des trucs okay, dans donc genre. T'as mis global position impeccable, donc on part chacun dans notre direction, on explore un peu tout. Oui, mais j'ai peur que t'arrives là et panique. Mais non, je vais pas paniquer, mais au secours, pourquoi? Je te rappelle qu'on a eu quand même quelques entraînements de type... On s'enculait en dom par les gens, donc excuse-moi, moi, mais je pense que... Moi j'ai un biome tiers là déjà. C'était plutôt cool. Surtout avec ma meuf. Oh putain, il y a un rhino... Avec des cochons, ok, très bien. Ah, il bah, se fight devant moi. Oh, j'ai des pots de cochon et j'ai une âme mat. Par contre, je vais essayer de pas mourir du cochon là. Enfin, ça commence bien chez Tari là. Et je crois que j'ai... J'ai un Onipultis, je sais pas ce que c'est. Du soin. Je me suis fait aggro. Ok, j'ai deux mythes de cochon et j'ai une peau de cochon. Je vais me faire un casque d'air. Et là, il y a du cochon ici, d'accord. Non, tu vas pas pouvoir te faire un casque, non. C'est moi qui vais faire les casques. Parce que je consomme de l'or et de la pierre pour en faire et ils sont très très puissants, mes casques. Ouais. Bah, ils sont aussi puissants que le casque de foot, mais ils ont quasiment deux fois plus de durabilité, quoi. Ouais, et puis surtout, tu les utilises. Enfin, c'est plus simple à craft, quoi. De l'or et de la pierre, hein, t'as pas de faire chier avec les cochons. Ok, c'est bizarre parce que objectivement, en fait, ça met des filtres pour. Enfin, j'ai un truc qui met un filtre. Un énorme biome de. Pour que. Justement, il n'y ait pas de. Cet effet-là, donc c'est très bizarre. En vrai, c'est pas ouf. Tu vois, te faire un feu là? Ouais, hein. Non, il faut du bois. C'est ça qu'il faut. Ah le truc ouais, comme ça. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Comment ça? Pourtant j'ai fait la hache, mais ouais, j'ai rien pour faire le bois. Qu'est-ce qu'on recherche exactement du coup? Juste là, à mort pour un, hein, ok. En fait, ça va dépendre de à quel point vous voulez rusher. Si vous voulez vraiment rusher, on cherche juste le biome. Le biome de la Dragonfly, on n'a besoin de rien d'autre. Sinon, ben, on fait une petite exploration pépouse de la map. Ça tranquille quoi, à vous de voir. Ok. C'est cool bah, les autres volumes. Le son du jeu c'est pas trop fort. Ouais, si on peut faire ce soir c'est bien, ouais. Là ça nous laisse quoi? Ça nous laisse quasiment 2 heures. Mm-hmm. 2 heures je pense qu'en y allant tranquille on se la fait large. Hein. Large. Il a dit. Vas-y large. Large. La pierre taillée, parfait. Oh, une hache, parfait. Non, moi ça sert à rien, je... Une hache, une pioche, putain hein. Encore une fois, je confonds les noms des objets. Ah, moi aussi, j'ai trouvé une pioche. Ah, j'ai trouvé de l'or, je peux déjà faire un casque à quelqu'un. J'ai trouvé un marécage. Par contre, j'ai toujours pas de... Je peux toujours pas faire de feu, moi. Bah, t'as quand même de quoi faire une torche, non? Pourquoi non. Tu peux pas faire de feu? Ah, bah, il faut que tu rejoignes quelqu'un, alors. Ouais. Non, je vais pas aller dans le marais cette nuit. Un peu de toi d'araignée. Moi j'ai pas beaucoup bougé par rapport au... On n'est pas très très loin l'un de l'autre si tu veux. Vous êtes parti où? Ah oui, vous êtes en bas à droite, je vous vois, ok. Oh, un chester. Oh, GG. Enfin, je crois que c'est un chester, attendez, j'arrive. Oh bah je pense quand même. Oui, c'est un chester. Oh là là, ce loot. Là, je vais mourir comme un caca. Vous allez voir, c'est parfait. Fauffée. Des buffalo et d'un bion de paille. Je vais aller voir s'il est grand ou pas. C'est bon, j'ai au moins de quoi me faire un feu de camp. Parfait. Bah, bon courage, Akai. T'es pas revenu du coup hier, comme t'as dit que tu ferais. Combien de temps tout à l'heure à Wickfield? Je sais pas, 6 jours, je crois, à peu près. Pourquoi au bout du 7ème jour elle explose? Non, c'est juste pour savoir parce qu'en fait si tu la joues, oui, c'est nickel, merci. Je trouve une cave. Pardon. Si tu la joues juste 2 jours, t'auras pas trop de problèmes avec la bouffe, mais après il faut bah en vrai, commencer j'ai, à prendre des j'ai habitudes pas... un peu agressives quoi. J'ai trufouillé un peu le menu et du coup il y avait full araignée partout, du coup j'ai tué ma araignée. Ah oui, d'accord. Et en fait bah, j'avais suffisamment. Mais j'ai pas eu peur d'aller tuer des trucs avec elle, j'étais assez à l'aise donc ouais. Ça va. Et ouais voilà, il faut juste prendre l'habitude de tuer tout ce qui bouge quoi. Dès que tu vois une taupe, tu la tues, dès que tu vois un cochon, tu le tues.
Ah, le cochon, je t'avoue, je m'y suis pas trop risqué non plus. Essaye, essaye, tu verras. Mais c'est vrai qu'elle a un bon 3 chances sur 4 qui te mettent même pas un dégât, le cochon. Oui, alors je m'appelle pas Spider. Non, mais juste tu le. Juste faut pas lâcher la touche à F. MDR. Normalement. Ok, je comprends. Normalement, tu es tranquille. Ah, je suis entouré de marécages, c'est chiant. Je suis un peu bloqué. Ah, j'ai de quoi te faire un casque aussi, Tyler. Cool. Ou alors, faudra peut-être en garder un petit peu aussi pour tout ce qui est science machine et tout ça. Mais... Ah, mais il y a un super biome de. Ah, il fait nuit, il fait nuit, c'est bon. Je panique pas. Hein. Je le dis, elle va pas arrêter de paniquer. Mais non, je ne panique pas. Tout va bien. Ah ! Non, je rigole. Actrice studio ? Yes. Ah, je suis revenu à un Jean Eude. Mes respects à tous les Jean Eude. Hein. Ah là, c'est plus un. Une bâtissance à tous les Jean Eude. Un Brutus. Ah, du coup, moi je crois que je vais aller faire de l'or, mais il y a l'air d'en avoir aussi à droite là. Alors après, en général, c'est plus la pierre qui pose problème. L'or, tu fouilles juste quelques tombes, tu vas donner ça au roi cochon et t'en as vraiment en masse. Ouais, oui. Moi j'aime bien miner les trucs d'or au début parce que bah du coup ça rapporte de la pierre et de l'or. Ça rapporte les deux, ouais, non, mais je dis pas le contraire. C'est pratique. Après, alors les pierres qui sont dans le biome de la Dragonfly, ils donnent. Bah, regarde où je suis. Pierres. Non, mais justement. Bon, après, c'est l'optimisation de chandelle, hein, mais. Juste, moi, je préfère miner les pierres qui donnent plus de pierres et l'or sur les tombes. Ouais, j'en ai un bifalon. Oui, en fait, t'es là où je suis passé. Oh merde, j'ai pas de brindilles. J'avais. J'ai l'impression que maintenant que je m'en fous des buffalos, j'en trouve partout. Ouais. C'est un truc de ouf. Genre, j'ai lancé ma partie tout à l'heure, en 2-2, j'avais trouvé des buffalos. Alors, je me suis installé à côté du portail parce que je m'en fous. Je voulais juste tester un peu vite fait. En plus, je sais pas ce que j'ai branlé dans les menus, mais je me suis retrouvé avec 3 ou 4 coffres dès le départ avec tout ce qu'il faut pour démarrer le jeu. Ouais, t'as un truc Starting Resources, effectivement. Ouais, c'était sympa ça, c'était sympa. Ah, du cochon qui se bat contre des araignées ici. Oui, j'avoue, c'est easy. Hein. Mais du coup, tu vois, je suis allé faire un cheval accordéon là. Je vais bien. Bah ouais, c'est Wickfree là. Les bifalos, c'est un truc que tu pourrais prendre l'habitude de tuer. C'est vraiment. Pas très compliqué quoi. Des tenez à kite ou même juste le tank, franchement. Dommage, il n'y avait pas de peau. J'ai trouvé un biome automne. Tu vois à quoi il ressemble le biome de la Dragonfly ou pas du tout? C'est pas genre la pierre, mais en plus apocalyptique. Ouais, c'est ça, avec, avec des lacs de lave. C'est quoi, c'est pas ok. Oui, c'est ça, ok. Non, mais juste, je vous dis j'ai ce que je vois. D'air. Par contre, moi, je trouve pas de truc à tuer pour la bouffe. Hein. Ça, c'est... J'ai pas croisé une araignée. J'ai trouvé un holo stump. Pas un lapin. Je dis ça comme si je savais ce que c'était. C'est des spawners à chat. Ah, c'est vrai. Ah, il y en a un, d'air. Genre de truc qui fait plaisir quand t'es écrit. Ces trois coups de lance. Ah, c'est vrai que ça se tue bien ça. Ah, encore du cochon, putain, on est vernis, hein, plein de cochons. On est vernis. On va s'en faire des casques. Je vous le dis, ma petite dame. Eh meuf, c'est moi qui vais faire des casques. Mais t'as besoin que les cochons, on s'en fout. T'as envie. De ouf. J'ai juste besoin de pierre et d'or, c'est tout. Je ne suis pas d'accord, ça ne tient pas la route. Je sais, il faut que tu te fasses une raison, ça sera mieux.
Tiens, protège ta tête avec ce caillou et ce caillou qui brille, ok? Non mais tu vas voir, il y a une licorne sur mes casques, ok? Waouh. Ok, c'est bon, j'ai regardé. Je retiens tout ce que j'ai dit. Voilà. Alors, tu vas bien fermer ta gueule. Ah, super. Et tu vas mettre ton casque licorne. Non, mais... Bon, d'accord. Oui, maman. Ah, bien, maman. Oui, monsieur. Bien. Encore du travail. Une top. Une sarbacane. Je vais te mettre au guichet. Ça me rappelle une partie de Gartic Phone, ça. Putain, qu'est-ce qu'il est long, ce bio. Le topiqueur au guichet. Ouais, le top... Oh, j'ai trouvé des chevaux. Voilà. Quel? C'est pas le but de la mission. Il y en a un. J'ai trouvé des chevaux. J'ai trouvé des chevals. Ils sont un. Piu piu piu. Bah, je suis moins fatiguée que la semaine dernière, ça s'entend un peu, non? C'est dommage. La semaine dernière. Oh, bah, c'est pas grave. Vous en faites pas, je serai de nouveau fatiguée un jour. Nickel. Bon, en vrai, j'ai déjà plein de pierres. Hein. Oh, j'ai trouvé un totem de feu avec plein de baies autour. Ah. C'est le garde-manger. Ça marche. Ouais. Cochons qui sont autour, ils sont un peu relous. Ouais, bah il y en avait un. Je suis partie. Ah oui, ça. Bon, bah voilà, je vous ai délimité un joli coin où il n'y a pas ce que nous cherchons a priori. Parfait, merci. Voilà, ça fait une zone en moins. Va falloir faire du bateau, je crois. Hein. Mais bon. Oh, on en est loin du bateau là. Ah, les marécages. Parfait. Ah bah j'ai ça va pas durer longtemps. J'ai le marécage sur le même endroit. Non, c'est de l'autre côté. Bah de toute façon on a tous la même carte. Normalement on est censé avoir tous la même carte, ouais. Ouais. Oh, un moustique. Bon, 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 est-ce qu'on va tomber sur la zone? Je sais pas par où aller, j'hésite. Oh même les abeilles, vu que j'ai commencé avec un stuff de fou, J'ai direct tapé les abeilles et tout. En 2-2, j'avais une ruche, quoi. Bah ouais, les two-shot. Ça fait une énorme différence, tu fais 50 dégâts avec ton arme de base. Mmh. Ah ouais, elle est pas mal, mon arme de base. Et je peux la faire pour les autres aussi, ou pas? Tu peux la faire pour les autres, alors. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que je la trouve vraiment pas du tout intéressante pour les autres. Ah. Ce qui rend ton arme forte, c'est... C'est moi. C'est que ton perso, quel que soit l'arme qu'il utilise, a 25% de... 5% de bonus de dégâts. C'est moi. Du coup, l'arme elle fait à peu près 40 dégâts. Et donc, quand toi tu l'utilises, elle fait 50. Quelqu'un d'autre l'utilise, elle fait que 40. Donc, du coup, tu trichotes quand même les araignées. Les... Non, mais dis-le. C'est grâce à moi. Toi. Ah, non, mais effectivement. Vive moi. Merde, je suis débile. Oh, j'ai faim. Je sais pas, peut-être plus tard, Zakai, mais là pas tout de suite. Au moins jusqu'à 23h, je fais, Ah, je fais ça. Alors. Salut Yena, tu vas bien? Secours! Non. D'accord. Au secours, non. Ah, j'avais un truc dans la main, je pouvais pas placer mon putain de feu, ça m'a saoulé. Mais quelle idée de faire des feux aussi. Ah moi je cours à la torche, hein, c'est bon, on va perdre temps. Faire des torches. Oui mais il faut que je mange. Ah j'ai peut-être un biome intéressant là. Je viens de voir un virevoltant passer devant WAM. Oui. Un virevoltant. Ouais tu sais les Thumble petites boulettes de cow-boy. Oui oui non mais je... Ça me fait rire. Ah ça, putain y'a des là. Fucking loups. Ah yes, bah c'est bon, c'est bon ça. Ok, je suis au bon endroit, il y a les lacs de lave. Ah, je l'ai trouvé. Nice, t'es où là? Ah ok, je vois. Vous voulez vraiment la rusher? Non, mais on peut au moins se rapprocher de sa zone, comme ça on peut faire plusieurs trails. On la tue. On pourrait trouver aussi peut-être... Vous avez trouvé une pierre de raise? Ou pas? Ah quoi, qu'on est pas très loin du spawn. Moi, en fait. Non mais c'est bon. On est pas très loin du spawn en fait, on s'en fout. T'as mis en endless d'ailleurs ou t'es laissé en survival?
I don't remember. J'ai fait quelque chose, mais je sais plus quoi. Très bien. Enfin, je crois. C'est précis, hein. La précision avant tout. Ok, est-ce qu'on essaie de se faire une base quelque part ou c'est même pas l'optique? Ah, vous devez dire en fait. Hein. Bah, je sais dépend, pas. Ça, hein. Dépend à quel point, ça dépend à quel point vous les rusher en fait. Hein. Oui, ils ont tous les deux fait une demi-tour, trop marre de lol. Hein? De quoi est-ce qu'elle parle? Mais c'était le loup que je voulais tabasser, moi. Ah, super. Regardez ça, j'ai trois loups sur moi et je m'en bats les couilles que je n'ai pas. Alors, on n'est pas obligé de rusher. Et peut-être que ce que je vais dire est débile, mais j'ai deux viandes pour faire des hambats sur moi et qu'elles vont pas non plus résister une quarantaine de jours, quoi. Donc si on veut en profiter, peut-être faut ouais, avoir de quoi craft. Pas, s'il commence à devenir jaune, tu lui manges. Ce sera pas un problème de trouver quoi faire des hambats. Ok. Je suis là en train de dégommer des loups. Peut-être pas que je prenne trop la conf non plus, hein. Ce qu'il faut surveiller, c'est ton casque. Éventuellement, ouais, ouais. Pas de faire un. Ah, mais un à chaque fois, casque. J'ai envie de bouffer des trucs, genre des graines et tout, mais non, en fait. Oui, ça, par contre, j'ai mis un moment à. Même les papillons! Oui, aussi, ouais, ça, c'est le pire. Ouais. Tout à l'heure, j'ai ramassé un papillon, je me suis dit, bon, bah, au moins, j'aurai un papillon, quoi. Oh, une lance. Yes. Non, je peux pas. Ah, c'est une image? Non. Je refuse. Quoi? Une image? Ah ouais. Bah, je suis arrivé à côté d'un squelette. Drôle. Ouais. Ça m'a brain le cul. Ma brain. Tant pis. Ouais. Ah, bon, bah, j'ai dégagé tous les loups. Faut que je mange. Tu peux éventuellement péter leur spawner si tu veux. Bah, c'est fait. Ah ouais. Ah non, mais ça, moi c'est... j'ai fait du ménage moi. Ça ressemble à quoi un spawner de loup du coup? Un tas d'os. Ok, ok. Avec trois loups qui tournent autour en faisant wouf 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 wouf. À peu près. Ah, ok. Code 9 Niena du coup. Ah ouais, tu voyais pas ce que c'était. C'était bien les cours aujourd'hui. Ah, c'est les vacances. Et du coup, t'es retourné faire chez tes parents ou t'es resté là-haut? Vous les paramètres de génération de la map, t'as laissé pas tout par défaut? 3. Je crois que j'ai laissé par défaut, mais il est possible que non. C'est normal. T'as excité il y a déjà 20 minutes. Bah ouais, enfin. Ça fait un certain bout de temps, quoi. Ouais, non, mais ça se comprend, ça se comprend. Ah, mais les cactus non plus, je pourrais pas aller manger, ça sert à rien. Oh, des boulettes. Des os, pas des os. Après, ça servira pour faire des pirogues. Ah, non, c'est vrai que j'étais dans les marais, j'avais pas pensé à. Roseau. Couche le matin. Non, va-t'en. Nul. La mouche elle me tabasse. T'inquiète. Elle se vénère. N'hésite pas voilà, à prendre la route, nickel. Bon, il y a un dégât. Encore des araignées. Il y en a partout. Je voulais récupérer du charbon, comme ça on était tranquille. Hein. T'as encore voulu cramer toute la forêt. Non, j'ai voulu prendre justement les arbres déjà cramés. Du
Le Twitch là. Pourquoi? Pas que je me dis Twitch. Ah, j'ai l'impression que Twitch en ce moment c'est pas la grande forme. 2 minutes là, il remplace un de vos streams par un gros écran bleu là. Ah ouais? Au stade que vous ne regardez pas Twitch depuis Twitch. Et la bon. Meilleure expérience, allez sur Twitch. Ah, ah. Ah, c'est ça que j'ai pas fait, merci. Merci Twitch. Quel enfer. Bien gentil Twitch, mais moi j'aimerais bien voir mon stream en fait. Casse-couille à son nom. Ah oui, donc il nous surveille en plus, il nous regarde jouer pour pas qu'on fasse des bêtises. Ok, on se retrouve où les copains? Je sais pas. Ben, où tu veux. C'est toi qui choisis, ma chérie. Bah écoutez, on peut venir là, non? Ah, attends, il faut que je regarde ma map. Eh, les abeilles, mais... Ah mais... Oh. Et okay. C'est moi qui panique. Le temps que je comprenne que je me fasse tabasser. Ah, tu veux te mettre sur le match, ok. Mais oui, je me suis fait tabasser par un piaf. Dur. Oula. Bah oui, dur. Bah pourtant je comprends pas, tu lui laisses toutes les graines et les légumes, il devrait être content. Bah ouais. Merde alors. Ah ça c'est les vautours alors, c'est plutôt c'est eux qui sont en concurrence avec toi, ouais. Ah oui, c'est pas des oiseaux. Alors, dernière nouvelle, il me semble que les vautours font partie de la catégorie. Non mais d'accord, mais elle me dit un oiseau comme si... Comme si c'était un moineau le truc, alors que enfin quand tu vois la faune de Don't Star, tu dis pas un oiseau, enfin je veux dire. Ah, elle me fatigue. Bon, les Tall Birds, c'est des oiseaux aussi, hein. Ça, c'est vachement plus grand que ça en fait. Quoi ? Hop. Du coup. Oui ! La reine des abeilles, elle va pas nous emmerder ? Spider. Non. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire les sounds machine et tout? Oh oui. Ok. Je pensais que ça me redonnerait plus. Bon bah écoutez, alors je fais le feu. Mais de camp. Vas-y, à tout l'honneur. Par contre, si tu permets, j'aimerais bien placer tous les trucs. Même. Ah bah dépêche-toi parce que moi j'ai mis le feu de camp, hein. Ah ouais, mais non. T'as dit quoi? T'aimerais placer les trucs, c'est ça? Ouais, parce qu'il veut mettre ses skins parce... de Kiku. Ah, comme ça, entre oui, ok. Je pensais que c'était moi genre, non, mais c'est trop le bordel ce que vous faites. Entre autres. Oh, entre wow, autres. Vous avez vu ce skills de malade? Le oiseau, il est parti en moonwalk. Il s'est envolé en moonwalk. Ok, tout va bien. Par contre, tu le ramènes, ton gros cul d'araignée? D'araignée. Bah, mais ouais, non, oui, je suis à 10 secondes de toi. Du coup, j'en profite pour prendre un peu mon temps. 8, 9, 8, 7. Forme de la viande alors, s'il te plaît. Hein. Ah, ok. T'as vu, lui aussi, il te fait à manger. Mais pas aussi bien que toi. Tiens, attends, bouge pas tant que t'es là. Mets ça sur ta petite tête. Oh, c'est trop gentil. T'as les tactiques. Débarre. Il est beau mon feu. Oh. Bah du coup si t'as les ressources pour la base. Bah fais-nous là. Ah oui tu. Ah, moi j'ai trop de ressources là. J'ai des pierres taillées là-dedans et okay. De l'or un peu. Voilà. Ah les crevards là. Putain ma blague elle est longue à venir. Hein. Ta blague? D'accord.
Oh. Bon, on a un petit lac juste à côté. Un petit... comment on appelle ça? Mar. Yes. Le vocabulaire. Ça a pas fait rire. Ok, je lui ai mis un caillou. Ça a pas fait rire. Ah, c'était ça la blague avec Gravis. Waouh. Alors, je ne suis pas sûre. Alors moi je vais casser ça parce que je suis trop forte. Elle casse tout ce qu'elle peut. C'est quoi ça? C'est drôle. Voilà. Hop. J'aurais jamais de quoi me faire un sac à dos. Ah merde. Ça par contre si tu veux jette quoi. Bon, le super skin. Ouais moi j'ai ce qu'il faut. On a besoin de quoi là? Vous êtes à la recherche de quoi? Moi surtout du bois. Ok. J'étais parti t'en faire mais j'ai tué les abeilles rouges. Musique. Ah, enfin. Quoi? J'entends les agnes. Oh, un truc qui roule. Y'a rien du tout. Ok. Touk. Elle m'a piqué mes glandes d'araignée. Il y en a une, je te la file. Comme si t'avais besoin de glandes d'araignée. Super. Bah j'ai que 200 de vie hein. D'accord, j'en ai 177. Salut. J'ai full life en plus. Eh. Oh non! Non! Mais lui, j'ai peur par contre, lui. Ah, oh bah. J'ai complètement tourné la carte pas comme il fallait. Ok, j'ai pas si peur en fait. Quoi? Bah, c'est le monsieur qui fait l'œil. Ah oui, oui! Non, mais ça c'est. Mais en fait. Plus dur qu'un knight, et en plus celui-là il est fortement. Mais il avait plus de vie en fait. Il est fortement abîmé. Ouais, ouais, du il coup, s'est bah, fait j'ai des rouages. Par des araignées. Oh, bah bien joué. Et bah nickel. Oh mon dieu. La prochaine ressource qui va manquer, ça va être du charbon. Ah, j'en ai 6. Il y en a là, il y en a 6, regarde. J'ai 6 sur place. Ouais, non, mais du charbon quoi. Genre, oui, je sais que toi t'en fais 10 000. Disons 24 quoi, pour commencer. Écoute, tu peux foutre le feu à une forêt, ça te fait plaisir. Oh, moi je vais tuer des trucs. Oh, ça me fait plaisir de tuer des trucs. Vas-y, fais-toi plaisir. Waouh, pourquoi tu désistances autant? La première, c'est la première, on la cassera. Ah, ok. Mais du coup, est-ce que moi je peux me faire un 5 cadeaux ou ça marche pas? Si, vas-y. Ah, mais j'en ai déjà en fait. Ouais, par contre, si tu veux, j'en ai déjà en fait. Moi j'en veux bien, hein, ah, bah. J'en avais un dès le départ, c'est pour ça en fait, j'avais pas vu. Le petit chat. Un petit chat pour Grigouille. Petit chat. Il est trop mignon. Oh mon dieu, mais on dirait que le truc il est empaillé. Oh mon dieu. Regardez. Ah, je regarde. Voilà. Oh, oh mon dieu.
Bon, moi c'est un peu la fin fin, hein. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Ah, on peut faire le frigo, comme ça je peux mettre mes hambats dedans là. Mange ça. Merci. Ouais, oui, non. Non, justement, il faut faire les croque-pottes avant. Quoi. Hein? Mais ça a pas besoin de rouage, un croque-pottes. Non, mais c'est une question de... En fait, tu peux mettre le frigo plus proche des croque-pottes si tu construis le frigo après les croque-pottes. Du coup, l'idée, ce serait de construire d'abord les croque-pottes. Déjà un croque-pot si jamais vous voulez cuisiner les trucs. Ah ouais. Et du coup, on les mange les steak meat, on s'en fout? Enfin, les trucs de d'armes là? Ouais, bon. Ok. Ah, par contre, j'ai pas d'accompagnement, donc n'hésitez pas à en mettre. Voilà. J'en mets. Oh, cette musique, elle est trop cool. Hop. Faut pas trop que je dandine parce que je me suis redéclenché de l'asiatique moi aujourd'hui. Ah ouais, toi, tu plantes tes arbres à côté du camp. Ça c'est juste pour les faire cramer pour... C'est pour nous faire de l'ombre. Charbon. Moi je vais tuer des trucs. Quoi? Ok, dans l'idée là on voudrait avoir quoi là pour la suite? Vraiment c'est le charbon la priorité, hein. Je pense que pour tout le reste on est ok. Oh. Non, reviens ici. Oh, un nain de jardin! Merveilleux. C'est bon! On a de la chance. Mon objectif est atteint. Impeccable, on peut arrêter. Merci tous. Salut Gribouille, hein, à bientôt. Bonne soirée, bonne fin de stream. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Du du du. Vous croyez que ça a marché? Aïe aïe aïe. Tu es un cheval! Du coup, j'ai plein de pommes de pin, tu veux que je les plante à côté des tiennes ou. Ouais, ouais, hésite pas. Eh bien, non, moi, faisons ça alors. Une forêt, hein. Vous me dites, les gars. Non. Oh, je préfère pas trop cramer de ressources, quoi, mais. Vas-y. Wesh. J'ai tué le cochon! Eh, je suis trop fière de moi. Alors ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va. Pas être planté là. Mais là non plus. Vous allez voir, je vais utiliser 1500 casques avant d'aller au boss. D'accord. En même temps, les casques ils sont tellement pas chers que. Pff. Go en fait, hein. Mais il veut pas que je le tape. Vas-y, prends le bicarbonate. Tu as un autre cochon. J'ai fini par le convaincre de le laisser me taper. Enfin, de. Ouais, c'est comme les papillons quand tu te fuis, quand tu te fuis, tu t'éloignes. Oh. Oh les papillons! Je passe ma vie à courir après les papillons. Ok, bon. Un autre truc, il va falloir peut-être commencer à farmer si vous voulez aller faire le boss très tôt. Ça va peut-être être les légumes, mais bon, c'est vrai qu'il faudra peut-être attendre d'avoir un frigo. C'est-à-dire qu'il faut faire un potager ou juste aller ramasser plein de carottes? Non, oui, quand je dis les légumes, c'est les cactus. Trouver un truc drôle. Cactus, je peux aller en chercher, oui. Comment c'est, mon dieu? Oh, ça a fait spawn des araignées! Ah, Ouais, mais on n'a pas le frigo, oui.
Ouais, bah oui, c'est pour ça que c'est pas non plus. Par contre, faut que je me casse parce qu'en fait, j'ai pas de quoi faire un feu de camp. Ah, c'est. Merde, c'est pas comme ça qu'on fait ? Ah, mais il va cramer. Ok. Yes, je vais juste aller faire ce truc là-bas. Ok, 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 je l'ai. Ouais, parce que je suis trop forte. Alors, ces petites frites, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Non, moi j'aime bien. Hein. Ça me plaît bien, moi, cette histoire. Ça me plaît bien. Bah, j'ai pas de. Ah, si. En plus, regardez, il me reste une petite place ici, là. Oh non, oh, c'est pas drôle, ça. Tant faut que je me refasse un casque. T'as utilisé toute la pierre et l'or ou pas? Moi pas du tout, non. Il me reste un petit stack de pierre et une dizaine d'or. Okay. J'ai un petit sac de pierre aussi. Parce que je n'ai plus que. Parce que je n'ai plus que. Que 5%. On va falloir te battre alors. Ouais. Vous avez foutu le feu à toute la forêt. C'est pas moi. Non. Moi j'ai planté des arbres. Forêt ici, c'est bon. S'éloigne et ça s'arrête. Ah, c'est comme ça que ça marche. Rocks. Mais vous avez le droit de regarder la télé. Vous en faites pas. Je vous en voudrais, mais c'est pas grave. Hmm. Du coup, j'ai ramené deux rouages de plus. Cool. Bon, nous sommes à 5 toiles d'araignée. J'ai la méga dalle. Voilà. Ben, mange. Ben, moi, j'ai rien à manger. Voilà. Il va faire nuit en fait. Il fait nuit. Est-ce que je pourrais avoir la pierre et. Je l'ai posée par terre. Ouais, et l'or. Est-ce que tu as activé les caves en fait? Je n'ai pas. Moi j'en ai vu des caves donc je pense que oui. Tu vas avoir l'or. J'en ai pas. Ti. Et j'en ai pas. Allô? Donne-moi de l'or. D'accord, tiens. Merci. Tiens. En échange de ton or. Merci. Aïe aïe aïe. Ah, ok. J'ai un petit sacraton là. Charaton là. Chalaveur. Oh, il est trop mignon. Ah, les skins de sac. Ah non, mais celui-là, j'avoue, je te l'envie. J'ai pas trop hésité avant de les acheter. Allez là. Bon, he's ok. Il va me falloir plein de brindilles par contre. J'espère que vous avez ça. J'en ai 21. Toi, on est 13. Bon début. Hmm? Bon début, il a dit le monsieur. Très bien. Parce qu'on est trop forte. Ouais. Ouais. Ah. Salut. Un peu d'aide? Cool. Je veux bien des brindilles s'ils en ont, mais à part ça. Bah, je peux te les filer maintenant, mais bon, j'aimerais bien en garder au cas où qu'il m'arrive un truc. Au cas où qui?
Ok, ok. Moi j'ai mis dans le chest. Bah non, ok. J'ai mis à côté des rouages. Voilà. Alors juste avant. Hop. Il t'en faut combien en tout? Là il va m'en manquer 18. Bah, j'en ai 16. Il m'en faut 18. Il va m'en manquer 15. Si. Ok, donc on va pouvoir terminer déjà la partie centrale de la base. À savoir la bouffe. Ah. Ça, ça m'intéresse. Oh, ah, Gribouille, j'ai trouvé une glande d'araignée pour toi. Oh, comme c'est... Oh, tu creusais la lapin. J'ai tout vu. Je suis un vilain ennemi de la nature. Je suis un monstre. Tranquille, on a... Un monstre, techniquement, c'est vrai. J'aurais dû frapper, lui. Pourquoi il y a du caca? Ah, c'est moi, là. J'ai abandonné du caca. Normal. Ouais. C'était trop pleine de trucs, alors j'ai jeté le caca. We're being hosted. Faut vraiment que je baisse le son de cette alerte. Merci, merci beaucoup, Shizu Unicorn, pour ton raid. Très agréable à toi, merci. Alors, j'espère que ton live s'est bien passé. Je fais une rotation vers la gauche de l'écran pour vous indiquer quelle est l'orientation de la base. C'est important ? Non, je pense juste que la base sera plus jolie et plus pratique avec la même orientation que la mienne. Juste pour ça que je précise. Hey, je suis pas venue, c'est pour souffrir, d'accord. Ok. Désolé, je suis en train de me faire raid. Merci Arctic aussi pour ton follow. Qu'est-ce que tu faisais comme stream? Tu streamais quoi? Du Don't Start Together? Là on est en train de faire une partie là avec deux potes. God of War, ok. Et on essaye d'aller taper des boss. Donc là on se prépare, on a commencé la partie il y a une heure. On a déjà repéré un des boss et on essaye pour pouvoir... ouais, un peu plus de violence, ça va pas être la même quand même. Merci encore pour ton raid, c'est très sympa. Hop. Je suis pas venue, c'est pour souffrir, merci okay. Les Gio, merci, merci beaucoup, bienvenue à vous. Faut que je retourne auprès des copains. Ramasser la... Pardon. Ah, il pleut. Bah, ça, c'est pas grave, la pluie, on s'en fout. Ça fait rouiller. Ça va, t'es pas fait en métal. Je pourrais être fait en métal. J'avoue. Ça fait très Astérix, en tout cas, j'aime bien. Ça c'est sûr, ça fait un peu plus la série. Ok. Non. Bon, en vrai, on n'a pas besoin de ville. Si vous êtes pressé. On n'est pas pressé. Après, dans une heure, Gribou il va se barrer, quoi. C'est ça le truc. Et carrément, quoi. Bah, je crois. Enfin, après, je parle peut-être trop vite, mais en général, Gribou il arrête vers les 23h. Tout à fait. Merci, salut Shizu. Merci beaucoup, c'est sympa. Oui, c'est... Je vous sentais bien ici. Voilà. On est là pour passer du bon temps. Sachez que on fait du Don't Starve jusqu'à 23h et ensuite moi je partirai sur du sur la suite de mon 100% sur Assassin's Creed Unity. Voilà. Donc la route est encore longue mais... et c'est pour ça qu'il faut que je continue après. Donc voilà le programme pour ce soir. Je te pose 3 prises à la base. Hey, je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok? Merci Ossine pour ton follow, merci beaucoup! Bah, 3 ça suffit, non? On peut mettre ça? Non, on peut pas, hein. Marche pas, hein. Non, ça marche pas. Quoi? J'ai pas de compléter le truc en haut, désolé. Voilà. Compléter le truc en. Ah oui, mais en bas aussi, c'est pas complété, ok. Parce que je pensais que la politique de la maison c'était on laisse tout dans l'état où on l'a trouvé, tu vois. Pas du tout. Bon, y a pas vraiment de politique de maison. Hein. Pardon, du coup, j'ai pas forcément suivi à 100%. Qu'est-ce qu'on fait-on? On fait qu'on cherche des trucs à taper de style. Cochon. Oh, j'en ai vu plein en plus vers le... Ah, attends, du coup, parce que ma carte a changé de sens. À l'autre bout du monde.
Non, non, mais il faut. Pas tant que ça, hein. Des cochons. Je vais ramasser la monster meat pour en faire des cochons garous. Il suffit d'en ramasser la monster meat pour faire des. Je vais l'araignée. Ah, comme ça, oui. Attendez, si je pouvais prendre mon arme. Voilà. Après, ça dépend de combien de grosses viandes et de cochons t'as. Combien t'en as déjà farmé, hein. Les cochons, j'ai pas ramassé, mais j'en avais trouvé à un endroit. Je tape avec mes poings, moi, c'est ça. Pas mal aussi. Hop. On ramasse de la petite bouffe. Ici, j'ai fait le ménage, normalement. Ah, ça me fait bizarre de tout voir dans ce sens-là, du coup. N'hésitez pas à discuter, hein. Je suis un peu occupé, mais je pourrais vous répondre, sans souci. Voilà, je suis un peu concentré, mais n'hésitez pas à échanger avec moi si l'envie vous en prend. Je suis tout à fait ouverte à cela. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Quel âge vous avez ? Est-ce que vous connaissez le jeu auquel je joue ? Il y a plus Spawner à chien, t'avais dit, hein. Quoi ? Plus de spawner à chien, t'as dit. Plus de spawner à chien, je crois qu'elle a dit. Oui, effectivement. Ah oui, 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 pardon. C'est le setup, alors. Hop. Taper une araignée avec une torche. ok, ok. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi, je me suis mis il y a pas très longtemps, donc je suis pas ultra doué, mais j'aime bien l'idée de coop en survie comme ça, qui ne soit pas Minecraft. ça change. L'hiver est très, très agréable. On fait ça tous les mardis aussi, pour ceux que ça intéresse. Voilà. D'ailleurs, on a même fait des duels avec Gribouille, qui était avec nous dans le local. De la bouffe à... Et j'ai perdu un des duels, là, donc... j'attends de finir mon taf vendredi. Et je me penche sur une magnifique chorégraphie de Baby Shark. Voilà. Je vais m'amuser, clairement. J'aurai le temps, je serai pas en train de taffer, donc... Oui, j'ai déjà tué tous les cochons du coin. Ah, j'en ai ici. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Il y a des cochons ici. Impeccable. L'idée, hein, c'est de donner quatre viandes de monstre à un cochon pour en faire un cochon garou. Ok, j'en ai qu'une sur moi, malheureusement. Ah, un peu d'araignée ici. C'est dit. Sept pour l'instant. Hop. Et ça donne plus de viande à un cochon garou, c'est ça l'idée ? Pile de quoi faire un ambat, deux grosses viandes et un cochon. Et je vais réussir à tabasser ça, moi ? Hop. Meurs ! Pardon. C'est encore plus facile à tuer qu'un cochon garou. Ouais, parce qu'il est garou. C'est comme s'il était bourré. J'ai cru entendre un petit début de truc, j'avoue. Ouais. Hein. Hop. Ouais. Hein. Ça sent un chien mouillé là. Non ? Ok, j'en ai deux moi. De viande ici. Hop. Ouais, ouais, clairement la DA est unique mais très très sympa. Ouais, ça sent un chien mouillé. Ah bah c'était ici, j'avais trouvé le truc. Alors du coup, il faut que je m'éloigne et que j'amène pas les loups sur eux. Ou on s'en fout ? Faudrait pas qu'ils attaquent les cochons. Ok, bah je me barre alors. Si on a besoin des cochons. Je me barre, vite. Tu vois que c'est pas trop tard. Ah mais d'accord, c'est cool. Oh, il y a encore des cochons ici, non ? Non, 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 non. Je suis garde forestier. Oh non, je protège. Je regarde tous les aides, mais c'est pas bien grave, hein. Les cochons sont plus forts que les loups. Ok, ok. Mais du coup, je me retrouve toute seule. Mais c'est une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Mais viens avec moi. Oui, oui, j'en ai un. Bah, viens avec moi. J'arrive. Tiens, j'ai une idée. Mets-toi ici, là. Tu viens ici. Et moi, je vais garder l'entrée. Je vais te protéger, Tarilou. Mais pourquoi tu me protégerais ? J'ai un casque tout comme toi.
Oui. Et je me sens en besoin de te protéger, Tarela, tu es une petite chose fragile. Ok, c'est sympa, merci. Et tu veux que je tape la peau de cochon? Tape tout. Bon, le setup est prêt. Ah, loup. Ok, tranquille, tranquille, tranquille. C'est bon. On s'en sort, on s'en sort. Cool. 12, 11. J'en ai 11. Du coup, avec Subtaria, ça doit faire 12. Tiens, je te les file comme ça, tu comptes. Ah, attention. Derrière toi, c'est affreux. Et j'en ai filé deux, non? J'en ai 14. Nice. Par contre, là, les cochons, ils vont rentrer chez eux. Comment ça, fragile, wesh? Ça y est, mon chat me traite de fragile. Mon chat. Oula. Ah, ils sont fait rire pour les araignées. Ok, cool. Oh. Ok. 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 Nice. Au pire, on a un wormhole pas très loin de la maison qui nous amène, au biome du roi cochon. Pour info. Et le roi cochon, on lui file quoi déjà? Non, non, mais c'est juste pour dire que là-bas il y a plein de cochons. Ah, ok, ah, bah oui, c'est logique. Tout à fait. Ok. Merde. Mais j'arrive pas. J'en ai donné plein, mais. Il a pas l'air très coopératif celui-là. Ah, ah si, là. Et du coup, maintenant il faut s'enfuir, c'est ça? Oui, il est copote avec nous. Faut le tabasser. Ah! Ah oui, bien, je viens pote avec lui, c'est ce que je dis. Pardon, tu veux le prendre peut-être? Pote avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Tiens, est-ce que t'as des toits d'araignée et des glandes? Donne-les-moi, comme ça tu peux stocker plus de trucs. Merci. Merci beaucoup. Merci, cool! Merci. Bah, coopération. On va attendre demain. Hein. Ouais. Ah, tu fais les traces là? Non. Ah, ok. Je croyais t'avoir vu les. Trop rapide pour moi cette gribouille. Elle tire ouais, plus vite que son ombre. Je tape deux fois et. Et je suis bien, t'as vu. Ah, j'ai une viande. Non, bah, laisse-moi les viandes. Ouais, pardon. Arrête de bouger, arrête de bouger. Elle est pénible. Merci Arctic, merci beaucoup d'avoir follow et peut-être à bientôt. Bonne soirée à toi. C'est quoi le truc que je vois? Ah, il a mis un point d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais? Alt clic sur la map. Ah, ok. Ah, c'est intéressant ça. Je t'ai fait global position. Comme par exemple, normalement, là, si je fais ça, tu vas voir un feu apparaître sur ton. Ah oui. Feu apparaître sur ton. Et si je fais ça? Tu mets du charbon dans le feu, il fait une. Ah, oui, d'accord, noire. Ok. Ah, c'est comme sur, League of Legends, ok. Tu vois de loin. Genre, regarde! Tintintin! Merde. J'ai fait le tap comme une connasse. Trop drôle. Beaucoup trop drôle. Waouh. Je ne peux pas supprimer le danger. Si, j'ai pu supprimer le danger. C'est bon. Ok. Ah, y a plus de petite araignée ici. Oui, c'est bon, comme sur League of Legends. C'est exactement ce que j'ai dit. Oula, il va faire nuit. Va faire tout noir! Ta gueule! Attention, jamais des araignées! D'accord, j'amène plus d'araignées, j'ai menti. Changer d'avis. D'accord, c'est peut-être pas exactement comme League of Legends. Éventuellement l'enlever. Mon feu ? Pourquoi ? Ça le tient lui. Pourquoi ça tienne ? Bah il est sur ma map. Bah oui, comme ça en fait t'as pas besoin d'avoir la map pour savoir où se trouve le camp. Oui, mais il est par transparence, voilà merci, sur ma map. Moi je pouvais rien y faire, fallait juste attendre qu'il. D'accord. Ok. Alors, qui a faim, les petits cochons?
fort. Toi t'as l'air amé, putain. Alors, toi, plutôt. Je suis là. Vas-y. Un. Deux. On dirait qu'elle fait une recette de cuisine. Et quatre. Pas commencer à le taper pendant qu'il se transforme. Mais il se transforme pas. Il se transforme pas. Et quatre viandes de monstre. Ah. C'est pas 5 Merveilleux. Je peux prendre les pots si tu veux, j'ai déjà un stack en cours. Oh, j'en avais déjà aussi. Ok. Fais gâter. T'as l'araignée. C'est toujours plaisir. Allez, vas-y. Ouais, mais ils sont chiants là. Nourrisseuse, nourrisseuse de cochon. J'ai récupéré une glande. Allez, vas-y, monsieur, n'aie pas peur. Putain. Mais il y en a qui sont plus boulimiques que d'autres. Valhalla awaits. Oh oui. Mais c'est bien sûr. Par contre, j'en ai plus que deux là. Ça... Ah bah attends, on peut peut-être aller... Et puis d'araignée, j'imagine. On a un peu tout fait là. Peut-être c'est... Non. Ouais, non. Ah là. Ok, j'arrive. Oh, une toile d'araignée encore. Ça fait toujours plaisir. Y'a plus. Plus haut peut-être. Il en manquerait une. Ok. Y'en a pas. Toujours pas. Ah si, si. Oh, y'en a pas mal. Sur moi. Bah, il en reste qu'une. Sur moi, sur moi. Ouais, là, je suis pas là en fait, donc je peux pas trop venir t'aider. Ah non, c'est pour te dire que c'est là où ils sont. Ah ouais, bon, j'arrive pas à les aggro en dehors du cercle. Oula. Bolzy, ma fille. Oulala. Attends, n'y va pas, t'inquiète. Mais pourquoi n'y va pas? Je suis une femme forte, d'accord? Bien joué. Oui, pardon. Pff, tiens. Tiens. Non. Ah, elle a réussi. Mais wesh, elle est sérieuse. Mais wesh. Ah, c'est pas la même chose. Welsh. Ah, petit cochon. On va donner de la délicieuse en viande. Mais non, mais là c'était bon là. T'es sûr que c'est 4? Bien joué. Il est crevé. Tiens. Merci. Bah, ouais, c'est vrai. Oh, faut que je mange. On retourne au camp du coup. On a perdu Spider? Ouais, je crois. Il s'est endormi. Ouais, en fait, il a déjà fini le jeu, ça, il nous attend. C'est clair. C'est plutôt ça, ouais. Ok. Il dit qu'on est lente. Ok. Moi, je dis qu'on forme une belle équipe. Bah, moi aussi. Voilà. L'écoute pas. Oui. Il dit des méchancetés. Ah ouais. Alors, c'est où qu'on doit aller? Là. Parce que du coup j'ai tourné ma carte pour avoir les fours alignés comme Spider, parce que je sentais que c'était très important pour lui. Ouais, moi, et du coup j'y suis pas mais... Oh oh STP. Mais on en a déjà plein. M'en fous. C'est tellement jouissif d'avoir des rouages dans les trucs ouais, de paille. C'est à la fois insensé et génial. Et hop,
Nous voilà de retour. Pour te jouer un mauvais tour. Oh, le feu ! Mort ! Voilà. Je préfère le mien. Ah ouais, d'accord, donc chacun son feu, je vois. Je vois les bails. Ah, super. Super. Mais j'ai plus de viande ! Ah, il y en a un. Allez, le cadeau ! Le cadeau ! Le cadeau ! Waouh ! Ok. Trop classe. Ah ouais, j'ai vraiment un tout autre style maintenant. Ça va bien avec le casque. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des pièges à lapin ? Mais non, mais on a de la viande ici. Ah, par contre, on a rien à mettre dedans. Mais si. Si, moi ça. J'ai... j'ai aussi. J'ai aussi. J'ai aussi. J'ai assez. Du coup, tu fais quoi sur le stream, Jizu ? Tu joues pas à BNS ? Si vous êtes le PVP s'est pas bien passé. Est-ce que vous pouvez faire une cage à oiseaux et mettre une graine dedans, s'il vous plaît ? Alors, déjà, il va dire. Je croyais que c'est un piège à oiseaux. Je regarde. Et oui, on a ce qu'il faut. Mais c'est Tarilou qui a. On a tout ce qu'il faut, professeur Spider ! Jamais où tu. Je fais bien la cage à oiseaux, professeur Spider ! Un piège, on a dit. Hein. Qu'est-ce que je veux dire ? Je le mets où ? On s'en fout ? Une préférence ? J'ai une graine. Ma préférence. Pour le piège ? De toute façon, en plus, on peut bouger, je suis débile. Ah, il fait nuit. Ah oui, ça c'était mal, hein, tiens. D'accord. T'as peur ? Parce que moi, j'ai non, mais je me suis dit que t'avais tellement abandonné. Je te jure, ok. Bon, bah, on va être dans le noir. Bon, bah, tant pis, on a perdu. Oh merde. Alors, c'est pas très pratique, du coup, comment je fais ? Comme ça. Bah, j'ai mangé une viande sans faire exprès parce que j'ai voulu la mettre dans le truc du haut. Et c'était une viande de monstre pas cuite. Hein. Voilà, on adore. Quel drôle. Et ouais. GG. Merci beaucoup. Bon, du coup, quand c'est qu'on se tape ? Ah, bah, moi, t'as. Je propose jour 10. T'as activé le PVP ? MDR. Est-ce que je dois faire plein de casques ? Est-ce que je fais des pièges à lapin ? Je pense que 2 casques par personne suffiront largement. Oui, fais des casques. Des casques à lapin ? Quoi ? Je brûle quoi, moi ? Il y a une plume rouge, je t'ai vu faire. Comment que je mange ? T'as cramé une plume ? Oui. Bien. Mais ça prenait une place dans mon inventaire, on va rien en faire là, si ? On va rien en faire, c'est mal. Spider, ouais. Pour remonter mon cerveau, tu préférerais que je fasse des trucs en or avec de l'or que je ne vois pas qu'on a ? Ou est-ce que je prends des fleurs, ce que tu détestes aussi particulièrement ? Cactus cuit. D'accord. On est dans le biome parfait pour ça, justement. Ok, ok. Merci. Merci, professeur Spider. Vous avez toujours de super conseils. Mais là, ah, ça fait trop rire. Bah, y'a de la confiture à la langue demain. C'est moi qui vous le dis. Oh, ok. Enfin, je veux dire, j'ai compris. Enfin, oui. Ok. Ah, tu m'écoutes en fond, ok. Allez, je te dis. Ok, je vois, je vois. Genre, bah, c'est tout l'or ici. J'espère que je vous déconcentre pas. Bon, je suis à la base dans 2 minutes là. J'avoue que ça fait un peu un bruit de paix, j'avoue. Quoi ? Quand tu ramasses le cactus. Vraiment, il y a des gens qui ont le live en fond et qui savent pas, connaissent pas trop le jeu forcément. Ils disent mais attends, pourquoi les cactus ils font des bruits de paix ? Voilà. J'ai un chat très perspicace et ah bah c'est mature, qui aime relever le détail. Je ramène du cactus à foison. Elle.
Et le cactus cuit, enfin c'est pas cuisiné, c'est-à-dire je le cuis et je le mange comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, ça fait pas ce bruit des cactus? Non. Quel enfer. Pas en Belgique. Ah non, mais pas en France non plus, hein. C'est vrai que c'est trop bien les cactus. Ah, c'est pour moi, c'est la meilleure. Ouais, j'avoue, ça fait tout remonter de manière assez. De base, ouais. Qu'est-ce que. What? Après, bon, oh. Enfin, j'en ai un peu ça, si tu veux. J'en ai. Je te le mets dans le frigo. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Ok. Que je dis, forcément, tu n'as pas besoin d'aide. Car tu es professeur Spider. Tu me dis hein, si ça te souvient. Ah. C'est la façon polie de dire oui. Ta gueule. Oh. Voilà, c'est la façon polie de dire ta gueule. Oh. Est-ce que tu manques un petit peu de HP, Tarila, à tout hasard? De HP, ouais, j'en moi, ai. Oui, hein. Il m'en manque 44. J'ai un beurre par terre. Dans le frigo. Je peux déjà manger de beurre. Le délicieux beurre, ouh. Putain, il me manque. Un d'or quoi, minima un d'or, s'il vous plaît. Moi il me reste 8 hein, si tu veux. Interception! Oh y'en a plein. Et le beurre ça se met pas au frigo du coup? Bah non en fait justement je te le dis, je te le mets par terre pour que tu le manges pour tes HP parce qu'il y a plus de place. Ah c'est pour moi! Pardon, ok j'avais pas compris. Elle écoute pas bien le professeur Spider! Mais avec le professeur Spider, ce n'est plus comme avant. Depuis qu'il t'a dit ta gueule. Ouais, c'est ça. Je le prends très mal et ouais. 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 Est-ce que vous voulez que je vous fasse des coffres? Oh. Oh, merci beaucoup. Merci. You're welcome. Est-ce que vous voulez que je fasse des coffres? On s'en fout. Oh. You wish. Est-ce que je peux avoir l'or? Ouf. On y va bientôt. Ah mince, est-ce que tu pourrais me rendre un d'or, s'il te plaît? Et je vais faire comme ça, voilà. Yep. Ok. Je comprends, Jésus, je ne comprends que trop bien. Ok. Oula. Mais je n'ai qu'une seule tête. Ça va aller, vous pensez? Elle est tellement grosse qu'il faut au moins ça. Ouf. Tu me connais par cœur. Bah ouais, mais y a pas de viande là, les gars. Moi, je fais comment, moi? Pas de viande, c'est grosse viande. Bah, c'est pas pour faire les battes? On a besoin de deux chacun. Tu t'en restes 5. Si mes calculs sont pas trop mauvais. Et moi aussi j'en fais une de Humbat? Tu peux. Mais tout le monde peu se. Lance, quand même. Ok, on part avec quoi mais comme stuff? Les Humbat, faites-les au dernier moment par contre. Ok. Je vous propose qu'on parte en début de matinée là, en début de journée demain. D'accord. Et vous, là tous les casques là c'est. On les laisse tous là ou on les prend tous non, avec non, nous bah, et... Prenez-en le tir chacune hein, dans le doute, mais normalement ça va. Vraiment okay. Très bien se passer, hein, je vous annonce. Très bien. Ça va très bien. C'est Professeur Spider qui l'a dit.
Juste, Tarila, faudrait que tu fasses gaffe d'être max bouffe pour le. Ah ouais. Le plus gros temps. Ouais, c'est mieux quoi, c'est pas obligatoire. Mais pendant la plus grosse partie du fight. Et là, on peut se faire des trucs bien. Avec pas de viande là. Comme ça, là. Et ben, il reste quoi faire, 2 meatballs, hein, au pire. Mais sinon, tu prends des berries, hein, tu prends des berries en masse. Mm-hmm. Qui veut de la berries en masse? Donc je prends genre les cactus avec moi, un truc comme ça, et des berries. Exemple, ouais. Je prends tout ou... Il y en a 30. Faut juste que je sois sûr de pas crever, quoi. L'idée, ce sera de te mettre full bouffe avant de partir. Mais pourquoi tu vides ton inventaire en moi, là? Ah. Je donne tout ce que j'ai. Intéressant. Oui. Tu te mets full bouffe et puis tu prends de quoi te remonter un petit peu de temps en temps, quelques berries en plus. Ok. Vous êtes prêts, et ben voilà, vous prenez votre casque, vous faites votre ambat et let's go. Ah attends, la ambat. Hop. Spider. Oui. Vous avez tous vos deux casques? Oui. Moi j'en ai fait un trop. Ok. Ah attends, tu m'as dit la ambat. La ambat c'est où déjà? C'est tout en bas? Non. Et si on y arrive right, pas, Professeur Spider? C'est laquelle va me battre? Moi je vois pas, map. Wesh. Ah là. Ah mais il en faut deux, ok. Oh là là là. On n'est pas rendu un professeur, hein. Bah quoi? Je comprends vite, t'as mais il faut m'expliquer longtemps. T'as pris tes viandes là, Tarila? Mes viandes? Les viandes pour la me battre. Oui. Okay. Pourquoi il fallait pas? Si, il fallait justement, mais je pensais pas qu'on avait autant de viande que ça. On fait une seule ambat, on est d'accord? Je sais pas, personne, ouais. Ok. Bah là, j'ai des berries, j'ai des cactus. J'ai en tout 3 cactus sur moi, limite, voilà. En avant, les amis! C'est parti! À la sauce! Indienne. La strat est très simple, j'ai construit un mur, on va rester. À l'extérieur de ce mur par rapport à la Dragonfly. On va rester en gros au milieu du mur, au niveau du lac de lave. J'ai vu la strat sur YouTube. Yes. Et on va juste taper. On va vraiment juste taper. On fait rien d'autre. Donc, vous restez par ici, là, au milieu du mur, par là. Ok. Je vais aller le chercher. Si à un moment elle commence à s'énerver là, à taper le sol et tout, ouais. Vous éloignez. Ok. Éloignez, à ce moment-là, je la. Endormirai avec la flûte de pan pour la calmer. Ok. J'ai peur. Mais il va l'amener de ce côté du mur, non hein. Si, je l'amène de votre côté. Ah oui, d'accord, tu ok. Après. Ok, parce que moi j'ai pas vu la vidéo. Ce serait peut-être bien que tu prennes l'aggro au début. Là maintenant tu peux vous l'attaquer, allez hop c'est on tape. En gros voilà. Et voilà pourquoi ce fight à partir de 2 est super simple. D'accord ok. Donc là elle se relève jamais c'est ça? Limite décevant j'ai envie de dire. Oula, ok. Donc là elle s'en va, elle va pondre des œufs, c'est pour ça que le mur est là. Les bébés vont revenir. Voilà, vous faire spawn des larves. Les larves, elles croivent, voilà. Et croivent, oui. Elles peuvent passer par ce trou-là, mais elles peuvent pas. Et donc du coup, elles vont rester de l'autre côté du mur. Mais là, t'as fait un trou, mais c'était pas fait exprès, si? Ça, dans le mur? Ouais, c'est juste qu'il y avait le truc en plein milieu. S'il y avait pas le trou, elle ferait le tour et nous attaquerait. Ah, et ok là, à cet endroit-là... Oh, le bug exploit pense... Exactement, enfin... C'est du pathfinding mal codé, quoi, oui. Quel enfer. J'ai perdu la grosse, hein. Je crois. Faites attention à vos casques, du coup. Si il y a moi 3, on a même pas besoin de plus. Moi je lutte comme un dingue. C'est toi qui fais les petits buts rouges.
fois qu'il y a un mob qui meurt dans mon champ. Il revient. Et il chie des trucs. Ouais, il pond des larves dans le... Je trouve ça très rigolo. Des œufs dans les lacs de lave. Et à chaque fois que tous les œufs meurent, enfin que toutes les larves meurent, soit elles s'énervent, soit elles retournent en tombe. Ok. Oula. Et est-ce qu'elles régènent en entre temps? T'as pas besoin de voilà. Faut pas que tu sois trop près de la gueulade. Ouais, c'est pour ça que je suis déterminé. Bien joué! Yeah! Voilà, bon. Ah mince! Ouais, voilà. Et ben, good game team! Voilà, cozy. C'était l'échauffement, ça. Après ça, on fait des vrais boss. Ah. Yes. Bien joué tous! Là, j'ai moins j'ai... peur de taper des trucs déjà. Avec. Ah, tu m'étonnes. Je te suis de très très près. Oh, oui. Bon, au final, j'ai usé un. Oui, on l'a éclaté, oui. Effectivement, on l'a éclaté. Enfin. Mais oui. Ouais, mais il y a des cactus, c'est des cactus, ça fait des paix, c'est trop bon bien. Professeur. En fait, je pense pas que ce soit le cactus qui fait un paix, à mon avis, c'est le c'est ton perso quand il se prend des dégâts. Oui, oui, mais c'est rigolo de dire que c'est le cactus qui fait des paix, tu comprends. La okay. Maturité. Là, l'énorme blague. L'humour, MDR, etc. Donc oui, on l'a éclaté. Pas de bottes de speedak ni de chapeau mouche, moins 10 en charisme. Non, nous sommes tous très beaux. Ouais. Nous avons un passif qui nous rend vraiment extrêmement attirants. Voilà. Mais merde, on a des licornes sur la tête, il vous faut quoi de J'ai plus même pas compris ce que vous avez loot. Bah, de la viande pour faire des armes comme on a, et puis des joyaux, et un scale furnace blueprint. Voilà. Alors, le blueprint, celle qui veut pour l'apprendre, ça permet de poser un. Un scale furnace, donc du coup, un truc qui fait de la chaleur et de la lumière. Je vais le mettre au feu, c'est pas ça. Ok. Justement, c'est pour que tu le mettes au feu que je sais. Mais c'est pas forcément. Mais je suis okay. Full. C'est pas forcément un truc incroyable, mais c'est pour qu'on s'entraîne à faire des boss quoi. C'est la première fois qu'on le faisait. Je vous propose voilà. Que dans ce coffre on mette les pierres précieuses. J'imagine qu'on a tous pris un peu des pierres précieuses au pif. Moi, est-ce que l'or c'est une pierre précieuse? Si tu veux. Allez, ça me fait plaisir. Précaille. Hop. Oh, y a plus de place. Bon bah tant pis. Quoique ça c'est pas des pierres précieuses. Allez, dégagez. Hop, hop. Parfait. Ça m'a même pas énervé. C'est vraiment. Ah, il est stylé l'autre frigo! Mais j'ai pas de place pour mes pierres précieuses! Je peux t'en refaire un coffre? J'en refais un coffre si tu veux? Non, mais il y avait 6 types de pierres précieuses différentes. Prends-moi, pire. Mais là, normalement, il y a les 6 types. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça? High Spider? C'est bon. Bon, bah on a une demi-heure d'avance. On attend de se faire quelque chose d'autre. comme boss là, ça va être compliqué quand même. Alright. Si vous alright, voulez, alright. On peut se tenter la Big Queen, mais je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus. Oui, regardez, il est trop beau ce frigo là. Ah, on regardez-moi peut préparer ça. Le stock pour mardi prochain. Tu fais quoi mardi, Spider? J'ai rien de prévu. Moi non plus. Moi non plus. Est-ce que quelle coïncidence. Deux brindilles MP. J'en ai deux, oui. Ouais. Oui, professeur. Moi j'en ai 24. Merci. Merci. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Et je peux le tuer. Ça ferait de la viande. C'est quoi? Des statues en viande? Non. Ah ok.
Putain, il me casse les couilles, lui. Waouh. La mouche. Pardon. Oh, ça me vole mon sac à dos. Il y a quoi comme boss plus fort, on me demande. Oui. Bah, tous les autres. Tous les autres. Clairement. Il y a d'autres questions. Je peux tuer le piaf. Sa hache, elle est trop belle. Ok, ok. Bonne chance. Il s'envole toujours avant qu'il soit mort. Hein? Déjà, il y a quoi comme boss moins fort? Il y aura Dirclops, Birger et. Ah ouais, le Cyclope, il est moins fort, hein? Mais Dirclops. Bah, je sais pas, moi, j'y arrive pas. Je meurs. Mais je pense qu'on se rend pas compte de quand, enfin de la fin de son pattern et du coup on se prend le la haut. Non mais il y a même pas d'histoire de pattern ou quoi que ce soit, hein, je t'assure. Okay. Le tank, hein. Bon, les clubs, le tank, justement parce qu'il a une aura de, il a une aura de sanity qui te fait vraiment chuter ta sanity, donc faut vraiment pas faire durer le fight. D'accord. Donc, mais il se régène pas quand tu le lâches. Non. Non, ok. Go non, faire un truc plus méchant. Bah ouais, mais il y en a qui se couchent tôt ici malheureusement. Avec Wicked, c'était pas moi. Faut vraiment juste faire un feu, pour pas sinon tu prends deux fois plus de dégâts quoi. Te battre dans le feu et franchement... 10 secondes. On a un intérêt dans les plumes là? Les mettre au feu. D'accord. Ouais non, pas spécialement d'intérêt. Non. Bah je les mets et par terre, ça fera de la déco. Tu veux. C'est vrai qu'en termes de déco, nous c'est vraiment le nec plus ultra. Et sinon, donc après, ouais, comme boss plus fort, du coup, à la surface, on va avoir Klaus et la Big Queen. Ok. Pour moi, la Big Queen, c'est vraiment plus la reine araignée. Ah ouais? Alors... Bah, j'ai jamais regardé un fight de la Big Queen, alors c'est pas. Je peux pas m'en rendre compte, quoi. J'avoue que je me rends moyen de mon compte. Ce qu'il y a, c'est que Klaus, il a des patterns quand même assez. Ils sont un tout elle petit plus peu aléatoire, mais ils sont simples. Alors que la Big Queen, elle est quand même assez chiante, quoi. Elle fait spawn, surtout en fin de fight, elle fait spawn vraiment beaucoup de petites abeilles. Elle fait spawn, quand elle fait spawn 12 par 12, là. Il a spawn sur moi, la petite mode de terre, là. Oh, on se fait l'éléphant. T'es où? Moi, ouais, je le fais, l'éléphant. J'arrive. Comment ça le chasser? Ouais, faut le bloquer dans un coin. Je suis une licorne. Non, c'est là qu'une machine de magie aurait été pas mal. Je suis une licorne. On a peut-être de ah, quoi faire tu te fais accompagner. Oui, on a largement quoi faire un boomerang là. Quelqu'un qui m'a planché. J'ai de la place, tu veux. Ah, je l'ai dans moi, désolé. Non, mais je trouve plus les traces en fait. Il y a trop d'arbres, c'est trop dense, je trouve plus les traces. Ah merde, je peux revenir si tu veux, Spider. Hein. Non. Et j'ai pas mal de bois pour en faire, hein, de toute façon, donc c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, où en est ma hache? Elle est juste là. Ok. Boss éléphant ou plutôt genre Dumbo? Non, plutôt genre Dumbo. En vrai. Mais je oui, j'arrive. Pas. Ah, goulou. Oui. Ah, mais c'est vrai que c'est la. C'est la pleine lune! Ah, nice! Je vais chercher Glum Glum. Ah, oui! Ah, j'ai plus de place. Après, sinon, même hors les boss, ce qu'on peut faire aussi, c'est. Au final, explorer la map déjà. Ça paraît un petit peu l'hiver. Les deux. L'hiver, on va essayer de. Farmer un peu les cannes de marche. Comment on farme des cannes de marche? C'est le morse. Ok. Ah ouais, lui. Donc il faut trouver le morse. C'est comme genre le roi cochon, faut le trouver quoi. Et alors il y en a un, il y en a obligatoirement un, et potentiellement on a à peu près une chance sur deux d'avoir un biome avec 3 de plus. On espère fortement avoir ce biome là. Avec 3 de plus. Tu veux dire 3 morses de plus? 3 morses dans le même biome. Ok. Et c'est quoi comme biome du coup? Alors le premier il est dans une prairie, dans un biome forêt. Les trois autres ils sont dans un biome avec plusieurs types de biomes, enfin plusieurs sous-biomes quoi. Un rocky, une savane je crois, une prairie, un truc comme ça. Ok.
Et j'ai mis de la viande dans tous les croque-pots, hein, meuf. Alors, évite de mettre des trucs dans les croque-pots, ça ne couvrira plus de co-frigo. Bah, en plus, on repasse quand même suffisamment. Mais ouais. Non, mais c'est juste dans l'idée que on est toujours les trucs à peu près, quoi. Vu qu'on passe souvent, ça reste ok. En soi, on n'en a pas spécialement besoin. Mal rangé ce frigo, hein. Ouais. Ouais. Bon, après, ceci dit, j'ai faim. Alors, ah oui, c'est la pleine lune. Trop bien. Hop. Tu vas la voir, professeur Spider. Mais au secours. Oh ouais. Trop cool. Thank gloom it. Gloom. C'est pas le problème. Ok. Va pour retardo l'éléphant. Et hors boss, c'est l'année du bifalo, donc on peut aussi faire mieux muse à tame des bifalo. Il y a un fantôme là. Ah oui. Il n'y a pas d'interaction avec les fantômes. Et tu es. C'est un mob agressif qui donne rien du tout. Ok. Il me semblait bien qu'il avait pas l'air très sympa. Ok. Ok. Allez, encore deux d'or. Du coup, le coup de tame des bifalo, ça vous motive pas trop? On peut. L'idée de tame des bifalo. Pour l'hiver, tu veux dire? Non, tame, c'est sans faire des montures, quoi. Ah, bah, ok. Si tu veux, oui. Mais on fait comment? Ah, mais c'est pas que je veux, hein, c'est une proposition. Oui, mais je sais pas comment on fait, par contre. C'est le thème du moment en fait, vu que c'est le nouvel an chinois là. Mais c'est quoi? Il faut quoi pour craft les sels là? Pour craft les sels, il faut des culs de cochon, de la laine de bifalo. Il nous faut un rasoir. C'est combien culs de cochon? Cochon, 4 laines de bifalo. Combien? J'ai un autre truc. 4 de Jacques. Ah. Et je crois qu'il faut de l'or aussi ou un truc comme ça. Oui, wesh, c'est cool. Ok, je m'occupe du rasoir. Bifalo, on peut tuer quelques-uns aussi pour se faire des bons chapeaux pour l'hiver. On va pas manquer de bâtons encore sur cette game. Ouais. Il y a plein d'armes à bâtons partout. Là. Hop. Et elle respawn la mouche? La dragonfly? Mm-hmm. Les 20 jours, ouais. 20 jours, waouh! Waouh! Ok, donc j'ai le rasoir. Waouh! Il paraît tellement plus grand. Bah, il est. Bon. Nice. Ouvre-le. Ah, ouais! Comment t'as fait? C'est avec une écaille. Il nous en reste une écaille, j'espère. Oui. Pour me faire le furnace. Quand vous dites les culs de cochon, c'est pareil que les peaux ou pas du tout? C'est ça. Ok, on a déjà 4 alors, ok. Non, j'en ai 3 sur moi. Ok, donc il nous en manque encore 5, c'est ça? Ah, le coffre, où tu l'as mis, au secours? Ah. On va tabasser du cochon du coup. C'est déjà que je range pas dans les coffres correctement, alors tiens, on va tabasser des cochons. Ouais, il faut refaire la même strat pour avoir des cochons.
faisons ça. Bon, après, on peut aussi juste farmer les... Comment ça s'appelle, là, les... Et oui. Ah là là, les tables de reste, là. Ouais, mais faut encore en trouver, si on en trouvait, oui. Bah après, est-ce qu'on a fini d'explorer là-haut? Non, peut-être qu'on va trouver. Hein. À gauche aussi, on n'a pas fini d'explorer, on fait quoi? On va à gauche? Moi, j'en ai vu une ou deux en étape de reste. Hein. Ah ouais? Ok. Juste, j'avais pas trop de la possibilité de faire des marteaux sur le coup. Donc... Ah, je perds plus de bouffe avec moi, par contre, ça c'est un peu con. Du coup, la dernière écaille, Gribouille? Ah oui, ok. Elle est dans le coffre des écailles. Les câbles. Ça prend à parler. Allez, venez par là. Venez par là. Hop. Ok, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Ah. Prends la viande, prends la viande, prends la viande. Ok, c'est bon. J'avais peur qu'elle la bouffe, mais elle s'en fout. C'est... J'en ai 3 sur moi. T'en as combien? 6. Ok, ok. Buffalo, hop, araignée, venez par là. Ah bah yes. Esquive. Boum 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 boum. Hop. Nice. Bien joué. Du coup, les bifalos les plus proches, vous savez où ils sont? À côté de nous. Un ici, tout seul. Ah, il y en a un seul, dommage. Ouais. Ok, j'ai 7 viandes. J'en ai 13. Yes, attends, je vais te les donner et on y va. Bah, il faut attendre le jour, de toute façon, on peut en tuer encore. C'est quoi qui fait ce bruit? Toi? C'est moi? Ok. J'avais pas l'impression que je faisais ce bruit-là tout à l'heure. Je fais de l'accordéon quand je me bagarre. C'est folklorique. Folklorique. Je dois être un peu malade, c'est pour ça. Son perso, je crois. Oui, oui. C'est peut-être la voix de mon perso. J'ai pas fait gaffe à la voix du mien. J'ai pas masse bouffe. T'as la bouffe sur toi? Le type pas la viande de monstre. J'ai des petites baies. Ah ouais, tu peux les filer. Oui, mais faut que t'arrêtes de gigoter. Bah voilà, tant pis. Oh non, on les a fait tomber par terre. Tiens. Ouais, ouais, ouais. Je m'en fous de tes graines. Ah bah super. Hop. Merde. Ouais, donc du coup, ce serait bien de trouver un endroit où il y a d'autres bifalons. J'en ai vu. C'était vers le tout début. Je sais plus où est-ce qu'on est allé. Ok, donc ça doit être à Pétosnap là-bas. C'est où qu'on a. Ouais, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Ah waouh. Tu vois l'automne que j'ai bien délimité, que j'ai pas fait le centre? Ben, c'est celui qui est juste à côté. C'est celui qui est juste à côté. Après, les wormholes sont pas si pires. Hein. Le wormhole qui est juste au-dessus de chez nous, il nous amène. Moi j'ai pas le truc pour dire où ils sont, où ils vont. Enfin, où ils sont, on voit, mais. Ah, t'as un mode qui te permet de voir où ça te mène? Ouais. Ça marche comment? C'est genre quoi? Bah, il y a écrit 1 et sur là où ouais, ça t'emmène. Ouais, il y a un code y a couleur 1. Et numérique. Ok. Faut l'avoir pris une fois par contre. Ouais. D'accord. Mais il va faire jour, hein.
Oui, mais je voulais rajouter une pomme de pain dans le four. De petit feu de camp. J'ai compris. Ouais. Ah, je t'ai pas donné la viande. Débile que je suis. Oh, j'en ai 16, ça va aller. Donc, allons taper du cochon. Ils sont où? Ah. En vrai, ils sont peut-être pas respawn. Ah oui. Oui, ils respawn tous les 4 jours. Attends, mais c'est pas. Attends, on n'a pas fini d'explorer à gauche, peut-être qu'on va en trouver. C'est pas le même biome, si, hein. Si, hein. En bas? En bas à gauche. Ah, en plus, il y a de la. Oui, bouffe. Après, n'hésitez pas à en profiter pour explorer un petit peu la map aussi. Hein. Bah oui, vu qu'on a trouvé le morse là. Nous ferions si voulez, d'une pierre deux coups. Pardon. Si vous voulez faire une petite exploration et rentrer vite fait, je sais pas si vous avez vu, il y a un wormhole en bas de là où vous êtes. D'accord. Il mène dans notre biome celui-là. Ok, cool. Pas très loin de la base. Donc vous pouvez éventuellement explorer le biome où vous êtes là. Où ok, je vois. En plus, c'est une forêt, donc il y a une chance que ce soit la forêt du Mactusk. Ah bah c'est la forêt du Mactusk. Tu vois la structure à côté de laquelle t'es, Gribouille, là Oui, le truc de pierre, là. Le truc en Moonrock, là, voilà, ça c'est dans la forêt du Mactusk. Donc, et c'est quoi déjà Mactusk. Le Mactusk. C'est le truc pour faire les cannes de marche, là, l'hiver. Mmh. Oh, cool. Pardon, j'étais contente. Tiens, copain. Tiens. Il y a un cochon ici. Deux, cochon ici, trois, il fait dodo. Quatre. Ça veut dire qu'il a plus de. Mais non, mais il l'a eu la quatrième et il l'a pas. T'es où? Ah, mais t'es loin. Ok. Il y a encore de l'araignée ici. Putain, on a un bon spawn, hein, je trouve. Hein. En vrai. Encore j'en du cochon ici. Moi, je vais ramasser les champis tant que j'y suis. Je suis là. Tiens, en vrai, j'aime bien que tu prennes mes viandes parce que ça me ferait une place en plus, STP. Où te trouves-tu? Là. Tiens. Merci. Du coup, il y a des cochons plus haut. Là d'où ouais, je viens. J'en vois un là. Ok, c'est parti. Blablabla. T'as vu un dindon? Blablabla. N'hésitez pas à les tuer, hein, les dindons, c'est cool, ouais. Ça donne de viande. C'était une des raisons pour lesquelles quand je jouais Wickfruit, je faisais des. C'est le seul moment où je fais des champs de berries en fait dans ma base. Pour farmer la viande. Ouais, le truc c'est qu'il s'enfuit ce bâtard. Pose une baie par terre, tu t'éloignes un petit peu de la baie. Ou un champignon aussi, ça marche. Ouais, ou n'importe en fait, hein, même un papillon. Tu portes quoi de végétal en fait. Et oui, le papillon est végétal pour les développeurs de Monster. J'ai ramassé des ceintures en or. C'est drôle. Oh, ouais. Il s'est barré. C'est. Eh ben on peut faire ça d'ailleurs si vous voulez. C'est un event. C'est l'event de. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. L'année d'avant, c'était l'année du cochon. En chinois. Mmh. Donc, du coup, c'était l'événement des cochons. C'est un truc rigolo, mais plutôt dur. Sachant qu'il y a zéro danger. Hein. C'est vraiment juste un mini-jeu. Ok. Non mais en vrai, il est 22h50. Ah oui, déjà, c'est vrai. Mamie, elle va aller dormir. Hein. Oh mais j'ai pas envie de fight les gros. Mais je suis là. Mais elles sont longues à tuer. C'est bon. J'ai. Pas de casque de j'en ai. Viens. J'en ai un. Si tu veux. J'ai pas la place en plus de prendre des trucs. Tiens, prends la glande là. Et tiens, prends ce casque. Il veut pas. Non, je suis full. Pose-le par terre. Ah oui, ok. Nice.
Et j'ai plus de place pour prendre le, la viande de monstre. GG. On a tué trop de monstres. T'as des baies sur toi ? Oui. Ouais. Voilà. Merci. On go finir de ferme du cochon, ensuite on rentre à la base. Ouais. Bah wesh. J'ai pas envie. Ok, super. Bah super, hein. Bah je ramasse mon caillou alors. Hein ? Tu l'as vexé ? J'ai jamais vu une araignée faire ça. Une araignée ? Une taupe, enfin. Une petite épresque. Une tauprinier. Bah moi je confonds les haches et les pioches alors, tu sais. Parce que j'ai failli me faire voler ma viande par une... par une araignée. Ma viande de taupe. Je suis vraiment un morpho alors, c'est chaud. Alors du coup, je sais pas si tu te rappelles, hein, mais quand t'es petit, tu consommes de la bouffe comme les autres persos. En normal, x2 et en gros x3. Ok. Merde. Ah. Ouais, désolé, je suis pas habitué à ce machin. Ok. Alors, je sais que j'en avais vu par là, plus en haut, je crois. Plus en haut, il y en a. Ah, là, il y a une maison. Oula, bonne chance. Oh, ça va. Ouais, moi, je tiens la lampe, alors... Pas tout faire. Je vais la dropper au sol la lampe. Non. C'est impossible. Allez, jour. Un truc genre. Avec la petite note de musique là. Hein ? Ah oui, ça c'est pour faire des chansons pour les. Surtout pour les boss fights. Allez, vas-y, nourris-le, je t'en prie. 1. 2. Il l'a pas pris. Non, il l'a pas pris. Ok. 2. 3. Et 4. Ok. Oh, on l'a... Oh, oh merde. Ok, c'est bon. Tiens. Petit coup de... Pression, là. J'étais pas sûre de savoir si c'était attrapable ou pas, du coup. Oui, moi... j'ai déjà eu le cas, donc ah merde, mais... T'as rien voulu me dire. T'as vérifié? Il y avait quand même un petit doute qui planait, hein, je vais pas te mentir. Je me rappelle plus s'il y en avait un là-haut, je crois pas. Non. Ça se termine dans un coup de sac. Tu manges que de la viande, toi, on est d'accord? J'ai des cuisses de grenouille, si tu veux. Ouais, je sais, je les ai mis dans toi parce que j'avais plus de place. Ah ok, parce que j'en avais aussi à un moment, donc je sais plus si c'était... Faut savoir que je me sers de vous comme des sacs. Ouais, visiblement. Oh, il y en a un ici, regarde. Oups. Je ramasse les champignons là... rouges. Félicitations. Ah tiens. C'est un génocide, hein, franchement. Un massacre. Tu te rappelles nos premières fois dans Don't Starve où on avait peur de taper des trucs? Et encore, c'était que ma première fois à moi. Tu as fait énormément de progrès, Gribouille. Mmh. Tu as su trouver
en toi l'âme de guerrière qui... Voilà. Nous ne sommes plus des lâches. Waouh. Je partage ta joie. Waouh. Ah mais on peut pas prendre le wormhole pour rentrer, on avait dit. Il est où? Si. Mais je sais pas où il est. Je sais où il est, viens. Viens avec moi dans la forêt. Attends, il y a une maison de cochon là. Ouais, là aussi, mais je pense que... moi je passe à côté d'une qui est... Je crois qu'on l'a faite, ouais. Mais tiens-moi au courant. Pouh là là, tiens-moi au courant. Tiens-moi et tiens-moi. Ah, là il y en a un cochon. Là où je suis, et près du wormhole. Je laisse pas rentrer chez lui, j'arrive! Je sais pas comment on fait ça. Je sais pas s'il y a une astuce. Tiens-lui la jambe, bloque la porte avec ton pied. Ok. Dépêche-toi de lui à manger! 1, 2, 3, 4. Félicitations. Un plaisir toujours. Ah, encore un. Mais tiens-lui la jambe. Génocide des cochons, quoi. Génocide de cochons, vraiment, hein, c'est un massacre. À nous, faut pas nous donner un peu de pouvoir, hein, parce que là... Combien? Je crois que c'est toi qui as fait ce bruit. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai chopé ce champignon là, et ensuite je t'amène au wormhole. Il est là. Ici. Regarde. Moi. Il a le trou de balle. C'était celui-ci, vraiment? Bah, je sais pas. On va voir. Moi, j'y crois pas, hein. Ouais, je suis pas sûre qu'on avait des couleurs. Mais si. Regarde. Ah ouais. Et en plus, regarde ce qui arrive à côté de toi, pile au même moment. Interception. on finit par du petit cactus. Tout se passe de manière tellement smooth. On pourrait même se faire des tentes. Chicut de cochon. Impeccable. Mais c'est trop beau. On le laisse 2 minutes, il dit plus rien, on revient. Il y a une farandole de coffre. On a un palace, ça y est. Ah ouais. Ah ouais. Attendez, j'arrive. Il y a un gloomer. Il y a un gloomer. Ravier. Zvavier. C'est le bruit du glomer. Waouh! Ah ouais, farandole de coffre. Sur son lit de croque-pot. Entourant frigos en tout genre, à côté de son cage à oiseaux. De sa cage à oiseaux doré. Et le glomer! Coucou toi! Oula! Uagier. Uagier. Je sais pas si vous avez vu le furnace aussi. Mais j'ai pas posé le furnace. Ah mince. Du coup, non, on l'a pas vu. J'avais pas vu. Moi, je ne demande qu'à voir. Par contre, ranger les trucs dans les coffres, non, c'est pas. Non. Ah, mais les. Ça. Moi, j'ai. Enfin, on fait pas des coffres pour ranger les trucs dedans. Ah bon. Enfin, si. Enfin, je sais pas. J'ai cru. Un... Non. Pour montrer ses skins. C'est pas juste pour. Alors, celui-là, moi, je l'ai. Et je l'aime beaucoup. C'est mon prêtre. Bah, celui-là, il a même pas de skin. Moi, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Le blanc. C'est vrai qu'il là. Est sobre, il est clair. Il va bien avec le frigo, je trouve. Il va bien avec tes yeux, ma chérie. Oh. C'est tellement gentil. Bon, bah écoutez, prochain épisode, on ira cueillir du buffalo de type apprivoisage. Apprivoisement. T'as vu? Oh, oh, oh. Il a des dents. Oh. Oh. Oh mon dieu! Oh my fucking god! Et ça sert à quoi? La lumière, un petit peu de lumière et surtout beaucoup de chaleur. Ah, c'est ça le truc, ok. Mm. Incroyable! Il y a des light bulbs dans le frigo du bain aussi. Si il a vraiment fini le jeu pendant qu'on n'était pas là, quoi. Ma lampe. Fini le jeu. Il a fini le jeu. Ouais, je vous dis, il a fini le jeu. Alors en 2-2, il nous a fait un camp de fifou. Je croyais que tu aimais mes camps.
Mais j'aime tes potagers. J'aime bien parce qu'il y a la frontière entre waouh et le Mais ouais, hein. C'est vraiment, regardez, c'est une décharge en fait. Et là il y a les pierres précieuses. Et là il y a les pierres précieuses. Du coup les gens ils s'y attendent pas parce qu'ils voient tous les coffres bien rangés ici là. Et ils se disent ah les trésors ils sont là. Et non, que nenni. Entre le truc qui bouge la baignoire et le guano se trouve notre trésor. Ah. Et le nain le jardin. Tout à fait. Et Glomer. Coucou Glomer. Le il y a une décharge à cause de la décharge à gauche de la base, c'est normal. Oui, tout à fait. C'est volontaire. C'est de l'art. C'est du lard. Aussi, oui. Et il y a Chester aussi. Chester à la retraite place, depuis 3ème minute. Coucou toi! Coucou toi! Alors, on est une petite momouche! Du ça me fait remonter la tête. On peut faire des bébés gloomer, tu sais. On peut faire des bébés gloomer? Il faut qu'il y ait du caca de gloomer. Fais caca, gloomer! Fais caca! Donne-lui un truc caca. Pourri, il va avoir la chiasse. On peut pas le nourrir. Ah, loup! Fais caca! Là. Loup, loup, loup! Je répète, loup! Bloomer, à toi. Il va attaque crever. Chiasse rose. Allez, fais caca, Gloom. Parce qu'il est pas loin en plus le truc. Chizzy, merde. Il est pas loin. Ouais, si, il est là. Là, oui, voilà. Hein, mais t'as mis un gros truc dessus. Quoi? Jamais il y en a une qui monte des HP, bah apparemment non. J'ai du beurre au frigo. N'hésitez pas à taper dedans. Mais je peux taper dedans. Il y a des pirogues pour toi si tu veux. Ça je peux taper dedans. Tu peux. On s'éloigne un peu de la base parce que c'est rare mais à ce moment-là. Quoi, tu veux pas que ça prenne feu? Bon là il peut y avoir des coups qui. Moi je reste avec Tarilou. Les cactus. Oh. Trop facile. Je crois qu'il y en avait qu'un. Non. Je me fais attaquer par des cactus. Il veut pas que j'aille le taper. Pourquoi ils arrivent au compte-gouttes, sérieux? Ils arrivent toujours au compte-gouttes, hein. Non, mais non. D'habitude, ils arrivent tout 3, en meute. 4, 10, 12. Ici. J'assure. Ah bah voilà, regardez là. C'est assez facile à gérer. Ah oui, oui mais bon, ça peut être pas Spider. Je sais pas si ça. C'est sûr qu'il faut leur foncer dessus, quoi. Faut pas avoir peur. Ouais, ouais. Ils commencent à fuir. Salut Jésus, à bientôt. Bien. Merci d'être passé. C'est bon, il a plu? C'est bon? C'est fini? Très bien. Ah. Je vais finir d'explorer là-bas. Ah bah j'ai bien fait de venir regarder. Ce qu'il y a? Il y a un petit damier. Ah oui, bah oui. Il y a une base là-bas, mort de rire. Tu feras gaffe en ouvrant le coffre. Pose toute la bouffe que t'as sur toi, tu la poses par terre. C'est à moi que tu parles là? Non, pardon, à début. Ah, ok. J'ai pas compris. Sur la map, j'ai vu apparaître un genre de petite base. Ah bon? Non, ok, non, okay, c'était un bug de pichage là. Pourquoi mon gloomer il se fracasse la tête contre le sol des fois? Parce qu'il en peut plus de vivre. Ouais, je vois. Parce qu'à chaque fois, je trouve ça très. Genre. Oh, il a chié! Il a fait caca! Vite! Du miel? J'en avais. Ce jeu me fatigue. Il y en a dans le coffre des pierres précieuses, peut-être. Non, dans Glomer. Dans Chester. Ouais, j'en avais ramassé
fait. Meuf, j'ai trouvé des rouages dans une dans un vol au vent. Oh nice, dans un vol au vent. Je les ai pris hein. Les... J'ai là là. Où est-ce que je le mets? Un bien voltant. Je le mets où? Je le mets où? Tu les prends avec toi et tu montes au point d'intérêt de Skyrim, j'allais dire non, de Spider. Mais Spider, tu viens avec ou quoi? Parce que c'est toi qui as le miel, t'as dit. Quoi? C'est toi qui as pris le miel, tu dis. Ouais, j'ai fait un bonbon avec. Oh le bâtard! Vraiment? Ouais, bah, bon bah. C'est ce qu'il faut pour le bloomer. Ah ok. Oui. C'est vrai, c'est ça, pardon. Je connais pas du tout par contre, donc. Attendez, une fouille. Oui, ah. D'ailleurs, il y avait de quoi faire une ruche. Puisque j'ai tué l'araignée rouge. Ouais, pas l'araignée. Les abeilles. L'abeille rouge. D'ailleurs, vous avez de la soie, j'imagine, du coup. De moi, là, j'ai mis quoi dans les coffres. Dans le premier coffre, d'ailleurs, je crois. Mais j'en avais pas beaucoup. Tu cherches quoi? La soie. De la soie? Je sais pas à quoi ça ressemble dans le jeu. La silk quoi. Ah, les l'araignée. Ah, oui, il y en a dans les coffres normalement. Je vais manger ça. Hop. Oh, j'ai trouvé des poils de buffalo. Hop. Un vol au vent. Une bouchée à la reine. Bah. Ouais, ok, Taras. Rien que ça. C'était une référence, hein. Si vous l'avez pas, je peux plus rien pour vous. Ok. Tu ne sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Ah, mais je croyais que tu connaissais la classe américaine! Merde alors! Pas par cœur, non, vraiment. Meuf, t'es toujours pas allé chercher bébé Gloomer. Mais je sais pas comment on fait, moi. Bah, prends les bonbons là dans la. Oui. Voilà. T'as le caca de Gloomer? Oui, j'en ai un, c'est tout ce qu'il faut? Ouais, tu wham. À côté, je mets à côté. Quand tu te mets à côté, tu as le truc bestiole qui apparaît dans le menu. Ah oui, craft. C'est vrai. Oh, il y a bébé Gloomer. Il faut le dodo. Oh, ça y est! Oh. Elle est trop mignonne! Il parle côte à côte! Oh, elle a des grands yeux! Ouais, elle est trop belle! Oh merde! Ah non, mais ça passe pas par là! Oui. Bonjour, regardez les robots, je peux pas tout faire! Regarde même pas où on va, secours! Range ta lampe d'ailleurs! C'est vrai ça? Aïe 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 un bébé. Et on peut en avoir qu'un? Ouais. Un chacun, ouais.
C'est trop mignon. Juagier. Et les capes dénudées, à quoi ça sert? Oh. C'est un trinket, ça suit le roi cochon pour l'or. Les trinket d'ailleurs, je mets tout dans le gestor. Si jamais il y en a une qui va aller se faire une mission Golden sûr, Shower, comme on dit dans le milieu. C'est tout à fait notre genre. Et ce qu'il y a, c'est que moi je peux pas y aller en fait. Bah oui, t'as un monstre. Oh, j'ai fait pop un Varg. Oups. Bon, vous ferez attention hein, par là. Oups. Attends, je veux voir. Après, si vous voulez, on se le fait. Hein, je crois, ça va pas y avoir. Bah, go hein. C'est où? Là où il a pingé. Sur la map. Alors, c'est quoi le bail? C'est le roi des chiens. Ça fait pop des chiens. Quelle connerie. J'ai pas de bouffe sur moi. C'est grave ou... Bon, non, après si tu veux taper plus fort, tu prends de la bouffe, il y en a dans le frigo, c'est pas très loin. On prend pas l'aggro sur ce truc là? Si. Ouais, y'a pas Spider, j'y vais pas. La bagarre. Allez bébé Gloomer. Je tanque. Je tanque, bordel. Oh, bébé Glover, il est resté en arrière, MDR. Il était genre, moi j'y vais pas, d'accord? Je vous regarde. Va pas se battre, bébé Glover. Mais j'adore la taille des ailes. Déjà que sur Glover, c'est ridicule. Sur le petit. Ouais. J'arrive à voler. Elles sont petites, elles sont blondes et tout. Ça fait très... Oui. Mais en fait, il vole pas avec ses ailes. Il vole avec son cœur. Oui. Il a un système anti-gravité en lui. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Bah, plus rien nous fait peur. Voilà. Ouais, maintenant j'ai bébé Gloomer. Ah, je suis jalouse. Beau. Oh. Bah oui, fais câlin bébé Gloom. Fais câlin bébé Gloom. Non. Vas-y, fais câlin à bébé Gloom. Mais je peux pas moi, c'est pas. Ah, tu peux pas Gloom. Oh, c'est non. Triste. Oh. Je fais des câlins pour toi. Et lui, il s'éclate encore à tête par terre sur la tête de naissance, il veut. oui, il a des trop petites ailes, on est d'accord. Tout est normal, le chat. Mais on a dit voler avec son cœur. Mm. Grâce au pouvoir de l'amitié. Tout à fait. Est-ce qu'on replante derrière toi ou pas? Bah, comme vous voulez. Bah, je sais pas. C'est toi qui aidé. Boomer, tu me gênes. Mais c'est bon, j'ai 4 culs de cochon, on n'avait pas plus de culs de cochon que ça? T'as déjà fait les selles? J'ai juste rangé ce qui traînait dans les coffres. Secours. Ah, mais au secours! Il est joli aussi celui-là. On s'est transformé en magasin Ikea, je crois. Pourquoi? Alors, de ce côté-ci, je vais en avoir côté style victorien. Très joli, hein. Il ira très bien avec les croque-pots de type. Je ne connais pas les types de croque-pots. Putain, qu'est-ce que c'est chiant de trouver des trous pour planter là? Oh merde, j'ai cliqué dessus. Il n'y a rien dans celui-là, parce que celui-là il mange tout. Ah, elles sont là, du coup on en a full. À combien? Bah 13. Pas mal. C'est dans quoi déjà? Dans outils? Ouais. Ah ouais, mais il faut de la laine de fer. Comment tu fais ça? Non.
Ah non, oui, ok, c'est au-dessus. Tant pour moi. Première salle, ouais, il faut 4 d'or, 4 cuits de cochon, 4 de. Normalement, vous avez sûrement eu le skin festif salle là. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, j'ai un rasoir, on va aller raser du buffalo. Vous voulez. Ouais. Ah, ils sont où? Ils sont tous là-haut, c'est ça? Je vais pas tarder à me coucher en vrai. Bah, vas-y, hein, on peut décommencer, oui, c'est vrai. Pas de soucis. On arrête maintenant. Je vais rester à côté de la base. Par contre, si vous voulez faire close à la prochaine session, faudra peut-être au moins regarder une petite vidéo pour voir un petit peu les patterns, tout ça. Comment... Alors, moi, okay. Moi, oui, professeur Spider, je me suis documenté. J'avais regardé. Alors, c'est bon, une vidéo. J'avais regardé comment on faisait pour la mouche. La mouche! Après, c'est Daryl à la lèche-cul. Ah bah non, tu m'as dit ta gueule alors. Bah, j'ai bien oui, compris qu'il n'y avait aucune c'est rentabilité. La rescue, mais c'est moi le chouchou. Regardez, ils font dodo. Ah, ils sont... Oh, quel dodo. Hein? Quel dodo. Oui. Allez, et à côté, t'as Spider qui fait bon, demain, j'espère que vous... Enfin, demain, la semaine prochaine, j'espère que vous serez préparés. Hein. Oh. Oh, regardez, ils s'attrapent pas. Je dirais que bébé Gloom il est dans la tête de gros Gloom. Non. Bébé. Mais arrête de le bolos, arrête. Je l'emmène à regarde, attends, tu es... Mais non, mais petit, après il est tout triste. Il est dans le noir en plus. Il doit avoir froid. Il va se faire manger. Et bah, comme ça gros Gloom, demain, quand il va se réveiller, il sera tout seul. Il était perdu. T'as vu? Il a pas aimé se faire bolos. Non. On pourrait jouer au foot avec ce truc. La passe, la passe. Bon allez, tu décompes. Pardon. Oh, mon dieu. C'était bébé Gloom quoi. Oh là 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 là, que d'aventures, que d'émotions, que de... Yes. Un grand merci Spider pour ton soutien. Yes, merci Spider. Et pour nous avoir supporté. Il est déjà parti, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Il a rage petit un peu plus. On a atteint ses limites. Ah non, mais mamie Gribouille, elle a besoin de faire dodo et... Eh elle a une sciatique à soigner. Mamie Gribouille. Il faut. Allez les copains, merci. Demain, bah, on avec plaisir. Demain, mardi prochain, ouais. On continue. Ça ouais. Marche. Et on n'oublie pas le live cuisine dimanche, 11h. Ah oui, cool. Quel cool. Il y a quand même une interrogation, c'est que je change de fournisseur internet vendredi, donc peut-être que... Ah oui. Quelle bonne idée. Ah, c'est clair. Voilà, ouais. Bon, on se retrouve pour la cuisine dimanche en 8. C'est ça. Ouais. C'est pas impossible. Gribouille, est-ce mesdames, que tu... Merci pour l'invitation. Eh ben, avec plus. Bah, merci de l'avoir accepté. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à vous et bonne soirée aux viewers. Salut, salut. Est-ce que tu voudrais refaire du Sea of Thieves à un moment? Pas aujourd'hui, bien sûr. Ouais, parce que là, je vais me coucher. Non, mais bien sûr. Mais ouais, plus, pourquoi pas. Ok, ok. Ça marche. Bon, je te redis ça du coup. Ça roule. Bisous ma gribouille. Bisous ma tarilou. Salut, salut. Ciao, ciao.